petite lampe pour que vous puissiez voir ma tronche. Et là, pour une fois, je suis quasiment pas du tout éclairé du côté là, alors que c'est le côté fenêtre. C'est parce qu'il y a très peu de lumière. On va faire avec. Je vais pas sortir ça complètement. Je vais que c'est pas encore, envie de dire, plus tranquille que dimanche dernier. Merci d'ailleurs à toutes et tous d'être venus. C'était, on a passé un moment extraordinaire. Moi, je me suis fondu la poire. Ça m'a fait du bien, ça m'a ressourcé. J'espère que vous aussi. Et là, aujourd'hui, encore, petite matinée récréation. Fait du bien. Voilà. Comme chantait un certain, pour le plaisir. J'en rajouterai pas là-dessus. Voilà, du coup, je suis tout troublé, je sais plus. Il faut que je prenne en main ma manette de PS2, on va se faire un... J'ai pas envie de parler de Dakar. Pas avoir le son. C'est bon, il n'y a pas de son. Ah oui, tiens, je suis bien d'aller dans le réglage. La musique, on va éviter. Parce que normalement, j'ai pas spécialement les droits, donc. Ouais, le volume du moteur, on va éviter de le faire hurler. Voilà. Oui, ça me semble correct comme réglage. Après, on verra. Oh mon dieu, il y a un nouveau tweet. Option du jeu. Ah, oui, qui est par ça peut aider. Oui, je l'en entends. Nom du joueur 1. Ah. Autant personnaliser. Je vais mettre le sage. Ah là 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 là, je sais pas à combien de caractères j'ai droit. Cette nostalgie d'entrer son nom dans les jeux vidéo à l'ancienne. Voilà, mais je suis content, je valide. Mon dieu, il est déjà 10h. Ah, attends, passe vite. Je regarde mon ange réel alors que j'ai mon ange virtuel dans l'écran, mais bon. Et pas grave. Ah. On va être poli, on va dire que c'est un invité. Je serais vilain, je mettrais un intrus. Voilà. Oh, mais il m'a pas validé mon V. Le sagouin. Mais c'est pas vrai. Alors, vous voulez vraiment que je fasse un truc? Voilà.
Allez, zou, on fait mémuse. Oui, accepté. Si vous pise. Entraînement. Non, je suis fou. Un joueur. Course simple Coupe Rallye Challenge. Attends, débloque. Ouais, bah on va faire coupe. Allez, on va se lancer dans le championnat. Coupe, poste, Baldou, Elf, Godrich. Ouais, il y en a plein. C'est bien. Et ben, on va commencer Baldou. Alors, ah, doit y avoir le, comment il s'appelle, celui que j'aime bien là dans Gran Turismo, Mitsubishi Pajero. Il doit y être. Ah, je sais pas. Apparemment, ils ont pas les, ils ont pas les vraies marques, quoi. Ils avaient pas de tube pour acheter des droits des vrais constructeurs. Ah, il y a des tutures à gagner. Alors, il y a la Tata Safari. C'est bien, rien. Je vais prendre la Tata Safari pour me faire une. Alors que je ferais bien de prendre celle qui a une meilleure accélération. Ah, la meilleure endurance. Ah, si je tape, si je me viande. Bah, on va commencer avec la Tata Safari et si je suis en échec sur la coupe, je prendrai le gros véhicule jaune et puis on verra. Alors, je suis vilain, je fais même pas de réglage. Je devrais, mais j'en fais pas. Ah là là. Chargement. Merci de patienter. Ah, temps de faire la pêche. Thank you.
J'espère qu'ils vont nous offrir le ralenti avec ça. Oui, en même temps, je peux difficilement refuser. Je conteste les résultats. Ah merde. Oh le bordel. Attends, alors je veux bien regarder les vidéos parce que ça va me permettre de comprendre pourquoi j'ai pas le son. J'aimerais savoir pourquoi j'ai pas le son dans mon histoire. Alors, attendez. Hop, je désactive et je vais réactiver. Attendez voir. Là, il est en écran de chargement, je sais pas s'il prend le son. Tac, tac, tac. Capturer uniquement l'audio. Oui, non, je sais pas si... Je vais sûrement baisser encore le... Je trouve que le son est fort. Moi, ça me fait l'effet là. Ah, mais je peux plus régler les options. Ça, c'est un peu idiot. Bon, bah, on va faire avec. Bonjour, Fanfan. J'espère que tu vas bien. Ah là là, je suis en train de me faire du Master Rally, là, c'est un équivalent du Paris-Dakar. J'aime bien, j'avais besoin d'évasion. Comme Garry's Mod, mais sur 4 roues aujourd'hui. Ouais, ça va? Oui, bah moi ça va bien, merci. J'ai passé une heure avant de prendre l'antenne, là, il y a déjà un gros quart d'heure. J'ai démarré peu avant 10h. J'étais dans la coulisse, en fait, j'ai fait plein de petits réglages. J'ai pas fait tous les réglages que je voulais faire. Mais c'est pas grave, ça se fera les jours suivants. Là, normalement, j'ai rajouté, on pourra faire un petit test. Ça fait
Merci. Je me disais bien que ça gueulait. Alors tant pis, pour le championnat, on s'en moque. De toute façon, je suis bon dernier avec 30 secondes de retard à chaque fois. On va régler le son. Ah, je me disais. Et pourtant, hein, j'ai fait des réglages. Ça va se voir à l'écran, les valeurs. Voilà. J'étais loin du 100%. Hein. Alors attends, SFX, on va mettre. Je vais être sévère, on va mettre SFX, on va mettre un tiers, 33. Et le moteur, on va mettre à. Ouais, je sais pas, peut-être à. À 10, ouais, comme la musique. Allez. Voilà, normalement ça devrait être beaucoup plus agréable. Alors, du coup, je vais faire une course simple. On va juste tester et puis. Oui, je m'en fous, allez, peu importe le truc. En plus, ça me fera un entraînement, ça sera pas plus mal. Merci pour le retour qualité, mon cher FunFan. Alors, je sais pas si quel temps il fait chez toi en Provence, mais moi, purée de poing sur Nancy, on voit pas à 50 mètres. Hein. Donc j'ai juste ma petite lumière pour éclairer ma tronche. La lumière naturelle qui est censée arriver de ce côté par la fenêtre, nada. Ça éclaire rien du tout. Ah, il faut beaucoup quoi. Ah, c'est bien, c'est vrai que t'es dans le sud. J'ai la fraîcheur de rêve, la poêle. Je fais des choses, un peu passionnées. Ouais, bah le froid de saison. Réglage, je vais tout mettre à 1%. La puissance de délivrance de la PlayStation. Oh la vache! Non, les réglages, c'est le véhicule que je suis idiot. C'est pas le son, c'est pas les options, c'est pas pareil. Attends. Alors, la musique. Merde. Ah, pardon. On y arrive. On va mettre 5%. Le SFX, on va le mettre à 20%. Le moteur, on va le mettre encore en. Allez, moteur, ça va être pareil, 5%. Ah, c'est dingue d'avoir des valeurs aussi basses. Hop. Oui, allez, entraînement. À mon avis, c'est le moteur qui est trop fort. Ah, boum, boum. Oui, bah là, je l'ai encore diminué encore de moitié. Donc. Ah là voilà. Le blanc de l'écran de chargement. D'ailleurs, je vais boire un coup. Petite information people, enfin je suis pas people, mais nécrologie comme on dit.
On a ça en commun, Franck et moi, d'apprécier la série Code Quantum. Scott Bakula, le fait d'incarner des personnes dans le passé et de corriger leurs erreurs de vie, de faire le bien. Et en fait, son complice, dont je ne retiens pas le nom, complice acteur qui incarnait Al, en hologramme, est malheureusement décédé hier, je l'ai appris, ou avant hier, je ne sais pas ça. Mais à son âme. Cet acteur, je connaissais seulement pour la série là, on savait juste pas ce qu'il fait. Mais le malheureux n'est plus. Voilà. Et mon humble avis, Scott Bakula doit bien rester. Parce que de mémoire, pour Quantum, ça avait duré 5 saisons. Ils ont dû se fréquenter sur les plateaux télé au moins dans les studios, au moins pendant 5 ans. Ce qui est pareil pour une carrière. Alors je te dirai après, mon cher Fanfan. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Ah ouais? C'est encore trop fort? Ne dis pas que je vais te mettre un coup de son. Waouh! Oh, il s'est viandé l'autre. Non! Mais c'est scandaleux. Il m'a barré la route délibérément. Ah, je fais mon entraînement et puis je vais encore réveiller le son. Je pense qu'après, raisonnablement, on pourra se lancer dans un championnat. Oula, oula, oulala, oulala. Moi, mon frère est arrivé, je vais y aller. Ok, ah, c'est bien que ton frangin soit arrivé. Bon, bah, bonne journée à toi, mon cher Fanfan. Merci à toi d'être passé. Et puis à plus tard, on se retrouvera sur ton direct ce soir. Je ferai taper tout à l'heure. Allez, bonne journée à toi, mon ami. Merci, Fanfan. Il est fou le concurrent, l'autre, il me rentre dedans. On dirait un coucou, un coup de nous. Ça se passe pas comme ça, vous parlez de la carte, ce serait fini. Oups. J'adore ce genre de jeu. On va traverser tous les pays. Pardonnez-moi lorsque je suis en joie, je chante terriblement. C'est vrai en plus. Ah! Oui, je me disais, il y a bien un arbre qui est en dehors de la barrière sur la route. Ok.
de pièges extrêmement ambitieux de la part des concepteurs. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. C'est ça, vous l'arrivez. Yes. Donc, tu me dis qu'il va falloir encore baisser le son. Ah là là. Bruno Cellier. J'aime bien les noms. Non, on va pas regarder le... On va directement aller dans les options. Les niveaux de son. Alors, moteur, on va faire 3. Mince, du coup, je vous laisse perturber, j'ai des notifications sur votre écran, alors. Je me laisse distraire. Voilà. Et la musique. Voilà, très bien comme ça. Donc, je vais essayer de me lancer sérieusement dans le... dans la coupe rallye. Je vais essayer de faire quelque chose de potable. Comment ça, classe de véhicule? Il y a combien de classes? Je suis vraiment curieux parce que je m'en souviens plus, ça fait très longtemps que j'ai pas lancé de jeu. What? Bah, je pensais pas que je faisais des sélections. Oui, ou sinon, tu sais, la musique, je mets la mienne. Au pire, sérieusement, je mets la mienne après. Pour pas avoir des problèmes de droit. Mais merci pour l'info. Je te taquine. Ah là là. Papapapapam. Bagou. Je sais pas pourquoi c'est écrit Bagou sur le côté. Une fausse pub, je pense. C'est là où c'est une vraie marque. Oh, je pense pas. Ils ont pas eu les droits pour quelques marques que ce soit. Ouah, c'est départ. Ouf. Ouf. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'on n'entend plus rien maintenant. Ah ouais? Ah bah c'est bien. Assoir fan, merci tout plein, bonne journée à toi. Ah bon? Ok, bon ça me rassure, c'est bon que tu me dises que le son est correct maintenant. Oui, moi aussi je te souhaite la meilleure des journées possibles mon cher fan. Merci tout plein, à plus. Profite bien. C'est sympa les journées de famille. Enfin, quand on s'entend bien avec sa famille. Les boules. Il chicote. Putain, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quasiment presque plus de son. Alors pour moi c'est apaisant. Mais à l'oreille j'ai plus le son du régime moteur. Aïe 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 aïe. Oh, je me demande si je vais pas faire un peu de casse-brique tout à l'heure. Je vais peut-être pas faire que du rallye, on verra. Fonction de mes envies. Et mes envies chez la vie. Hop là. Ah, la zone d'agriculture là. Ah oui. Et Maxi d'un droit devant. L'autre, je l'ai aidé à s'encastrer davantage, désolé. J'ai pris le virage un peu trop, je crois. Merde, homme. C'était sûr. Oh. Oh, 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 oh. Cette punition. Ah, c'est traître, le muret. Putain, je pensais que je pouvais tout de suite braquer derrière le bâtiment. Oh, bonjour à Oster, ravi de te voir. Mais je vais fort bien, merci, j'espère que toi aussi. Moi ouais, je me fais une petite matinée peinard pépouze sur un bon vieux PS2 qui est Master Rally.
J'aime beaucoup les jeux, tu sais, à la Paris-Dakar. Donc j'espère que tu vas bien toi aussi. C'est purée de pois en ce moment sur Nancy. Là, ce matin, quand j'ai ouvert les volets, on n'y voit pas à 50 mètres. Donc du coup, je me tiens au niveau de l'éclairage de ma tronche en direct avec une petite loupiote de face. Parce que la lumière naturelle, elle est trop tamisée à la fenêtre pour pouvoir faire effet sur le direct et bien éclairer ma tronche. C'est matinée évasion aujourd'hui. Le paysage défile sous nos yeux. Sous nos yeux ébahis. Oh là là. Waouh, la vallée encaissée, tu loupes ton coup de volant, t'es mort. Ça pardonne pas ce genre de configuration en pilotage. Ah, il y a un ballon dirigeable au loin. C'est stylé. Hop là. Waouh, très mauvais contrebraquage. Oh merci, oh, c'est gentil. J'ai vu que tu es en train de me diffuser sur ta chaîne. Merci beaucoup, Aeroster, ça fait très plaisir. En espérant que pour ceux qui passent sur ta chaîne, je puisse les divertir par rapport à ton public. Bah, je suis assez confiant dans le sens, je crois savoir qu'on a, on pourrait dire, un public compatible au niveau des goûts et des couleurs. Hop là. Oh, je pense que côté français, on ne doit pas être très nombreux à diffuser dès ce matin. Ils sont rares, hein, les matinaux, on est minoritaire. Hop, 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 hop. Waouh! Eh ben, j'ai du bol que les amortisseurs aient pas pris cher. Bah là, tiens. Faut que je le dise pour louper un passage. Waouh! Comment j'ai relevé la tuture. Oh là, c'est une catastrophe. Je suis en train de perdre le contrôle de mon véhicule. Je passe par où là? Je passe par au-dessus. Eh, c'est pas évident hein, de lire le parcours par moment. Il y en a combien qui se sont fait avoir en vrai dans le Paris-Dakar en ne sachant pas lire la route? Et ils ont échoué soit dans des rivières, dans des canyons. Malheureusement, d'ailleurs, faut pas oublier qu'il y a des morts dans certaines éditions du Paris-Dakar, que ce soit les pilotes eux-mêmes ou les civils, les riverains. Il y a une période noire où il y avait des gamins qui se faisaient renverser par les bolides qui arrivaient à tout plein gaz. Ça, voilà, pardon, ça attriste d'un seul coup le direct. Mais bon. Ça fait malheureusement partie de l'histoire du sport automobile et ça, c'est tout sauf glorieux. Eh bien, ah bah d'accord. Ah bah, j'ai quasiment 40 secondes de retard sur les concurrents, alors que tout à l'heure, la même course, j'en avais entre guillemets que 30. Donc, je ne m'améliore pas. Triste constat. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. Ah ouais, non, mais je suis complètement à la ramasse. Oui, non, je vais vous épargner le ralenti. On va passer à la course suivante. 2, 2, 3 sur la coupe. Je vais voir un petit coup le temps du chargement. Pause ravitaillement. Eh bien. Ouais, déjà 10h30. Hop. Ah là 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 là. Le chargement, le chargement. Eh bien. Ça y est. Ah, j'ai eu un départ trop timoré.
Tu aurais dû appuyer sur l'accélérateur avant. J'avais l'appréhension de percuter les concurrents dès le départ, mais... Oh non! Il m'a fait une petite pitchinette qui m'a fait aller voir dans le décor. Ah, c'est redoutable cet effet auto-tamponneuse. Oh là là! Dur! Ah bah, eux aussi c'est dur. Oh bah! Ils ont fini dans l'arbre, je suis dans la rivière. Ma voiture est propre. C'est ce que je dis à chaque fois. Oh mince! Et il est vachement piégeux ce parcours! Et je suis qu'au début du jeu. J'ose pas imaginer le reste. Il doit y avoir des sacrées configurations. Oh là là. Ah, j'ai eu... Mais il y a des moments où j'ai un mal de chien à lire le parcours. Au sommet d'une côte, c'est l'enfer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va t'arriver dans le mètre suivant à parcourir? Oh. Ah, joli petit patelin. Oula, ouah, c'est vicieux ça. Ouah, 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 ouah. Ça en met plein la vue, c'est stylé, mais c'est très technique au pilotage. Eh bien. J'ai cru que ça tenait plus tard. J'ai failli terminer ma course dans le décor déjà là. Oula, 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 oula. La vache, la longue lignée de cyprès. Attends, il faut aller où là? Ah d'accord, intersection. Ouah. Je me suis laissé surprendre par les... Mais l'autre, il est encastré ou quoi? Je suis surpris qu'il soit 15 secondes derrière moi. Ça me fait bizarre de pas être le dernier en fait. Oh, j'aime bien le paysage. Il y a un effet de profondeur très agréable. On se laisse happer. J'ai envie de continuer, je croyais que ça continue tout droit, moi. Voilà, j'ai mal lu la piste. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça va, j'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est sans conséquences graves. J'ai pas endommagé le véhicule. Donc là, il faut que je parte par là-bas, c'est ça? Ah, oui, j'ai... Oh, le mur invisible. Oh. La baffe. Mais... Attends, là, je comprends plus. Il est où le mur? Bah oui, je veux bien que tu me remettes en place, là j'ai pas compris. J'étais à l'envers, qu'est-ce que j'ai fait? Ou est-ce qu'il a considéré que j'avais coupé le tracé? J'ai pas compris la sanction là, c'est dommage. Je suis un poil frustré. Bah mince. Bon. Ah du coup j'ai endommagé le moteur du véhicule. Oh. Et là, là c'est bon, là je suis mon dernier. Ah mince. Mince, mince, mince. Ah non, c'est une voie ferrée. Oula, oula, oula. J'allais dire là, vu comment je pilote, je risque de finir sur la voie ferrée et le cauchemar. Ah, ça sent le tunnel. Ouais.
comment la route se refermait sur le flanc de montagne. Hop, 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 freinage délicat que j'ai fait en dérapage. Waouh, c'est plus accidenté qu'il n'y paraît. D'accord, c'est l'avant-dernier point de contrôle. C'est le dernier quart de tracé de course. Ah, on est au bord d'un étang, j'ai l'impression. Ouais, il y a des petits navires qui sont rangés. Je vais déplacer au prochain ralenti là. Ma lumière qui éclaire ma tronche, je suis désolé, mais je commence à avoir mal au crâne. Elle est en train de me flinguer le cerveau. Mon cerveau qui comprend pas pourquoi il y a autant de sources de lumière qui me bombardent la tronche. Faudrait que je trouve un moyen de tamiser mon effet de lumière. Qui est quand même un minimum d'éclairage, vous voyez un petit peu, bien que ce soit pas l'essentiel évidemment, mais ça me titille au niveau du cerveau là. Ça me chatouille les nerfs, moi je vous le dis. Youp là, j'ai fait n'importe quoi dans cette chicane. Waouh, le premier qui a carrément une minute d'avance sur moi là. Mais plus je vais avancer dans le jeu, plus mes écarts vont être catastrophiques. Voilà, c'est une promenade virtuelle. Ah non, je vais me la mettre de côté. Hein. Encore que j'ai un peu plus de lumière naturelle. On voit que je commence à avoir le visage qui est un peu éclairé. Et tant mieux. Voilà, je vais faire comme ça parce que de l'avoir quasiment de face, dur. Dur, dur, dur. Ah oui, je me disais, est-ce que la PlayStation fait quelque chose? Ah oui, il m'a mis une minute dans le pif. Non, allez, on continue, pas besoin de mettre la radio, le ralenti. Alors ça, c'est le genre de jeu sympa en deux temps, c'est-à-dire que si j'ai besoin de vous répondre sur le chat, que vous êtes hyper actif, j'ai plein de choses à lire, je mettrai le ralenti, ce qui me permettrait de souffler avant d'enchaîner la course suivante. J'adore ce genre de jeu pour ça aussi. Alors... Aouh! Aïe 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 aïe. Pour une fois que c'est moi qui vais au contact. Bon. On n'a pas porté chance. Mais bon, fallait la tenter. J'ai voulu m'imposer, j'ai loupé mon coup. Ah, j'aime bien aussi les grandes forêts. Oh! Le malheureux est sur le toit. Il s'est retourné comme une crêpe. Eh bien. Oh, on va y avoir de l'ascension là. On commence à prendre de l'altitude. C'est-à-dire que le prochain versant à la descente, il n'y a pas intérêt à se louper dans les virages. Parce qu'à mon avis, c'est littéralement synonyme de mort et de fin de course. Hop 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 hop. Pourtant que la montagne est belle. Merde, j'ai plus aucune accélération. Non, l'autre il m'a rattrapé là. Le marsouin qui était sur le toit. Oh là là. Yeah. La reprise est pas top.
Un petit peu Shining Mountain. Ah, là il y a de la profondeur. On peut anticiper la trajectoire. Ça fait plaisir. Waouh, le paysage me plaît beaucoup. Je suis même pas certain d'avoir pris la bonne direction. Ah oui, c'est bien ce que je craignais. Ok. Aïe 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 aïe. J'en suis une buse. Mais pas une buse qui survole le parcours là pour le coup. Mince, j'ai eu un doute, j'ai cru qu'il fallait que je tourne à droite moi. Mais en fait oui, non, ouais, ok. J'ai failli prendre un raccourci là, on va dire. Qui en plus s'avérait fort fâcheux. Sympa le clocher. Alors. Hop, 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 hop. Hop hop hop. Alors là, la portion technique. Le moindre écart est interdit. L'effet cuvette est garanti. Hop hop hop. Hop la boum. Là, on va se le regarder après quand même, parce que il faut que je teste 2-3 petites bricoles dans mon chat. Comme je suis en train, comme vous le savez, on est encore en phase bêta de ma chaîne. J'ai encore plein de trucs à programmer, à assembler. J'aimerais vérifier 2-3 petits trucs que je suis censé théoriquement avoir corrigé ces derniers jours. Et ça me permettra de marquer une petite pause, parce que ça fait déjà une heure que je tiens le volant virtuellement. Oui, tu m'étonnes, mauvaise direction. Bah alors, il me remet pas en place? Ah. Faut peut-être que je mette le mode panique et que j'appuie sur tous les boutons pour que j'ai l'assistance qui vienne me remettre en place. Au lieu de rester lunaire. Ouh, ça fait un peu lunaire comme paysage. Il reste encore un quart de course. Ah, c'est des vignobles. Non, je perds le contrôle. Ah, le contrebraquage, je l'ai pas senti. Ouais. Ça craint du boudin. Et bah, ils vont tous me mettre une minute à l'arrivée. Ça va être lamentable de ma part, comme d'hab. Bah, enfin, bon. Nous voyageons. Oh, un petit bord de mer. Ah non, c'est un barrage. Waouh. Non, c'est des vignes. N'importe quoi. J'arrive même plus à lire le décor. Sympa le décor de vignes. Waouh, 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 waouh. La violence du choc à l'amortissement. Oui.
Holiday on Ice. Je suis parti en dérapage totalement incontrôlé. Faut pas souper là. Bonjour la bordure. Ah, là faut passer le petit point d'eau. Wouh! Ah, arriver au patelin, c'est ça? Ouais. Non, c'est. J'ai cru que c'était un patelin, mais non, c'est tout simplement le camp d'arrivée. Oh! J'ai percuté des tonneaux. N'importe quoi. Oui, il m'a mis une minute. Bon. Eh ben, sachons. Enfin, j'ai pas vu de niveau de difficulté réglable dans le jeu. Pour remporter le jeu, punaise. En fait, c'est un jeu très exigeant où t'es obligé de poncer. Et tu dois connaître par cœur en fait le tracé et le maîtriser. Ça pardonne pas. Voilà, là je me trouve une petite pause où le ralenti va passer à l'écran. Oh, j'ai soupape de décompression là, ça fait du bien. Je relâche la pression. Alors, je vais me saisir. Ah oui, alors attention, il y a la manette, il y a le clavier. Faut pas que je me plante. Voilà. Que je reprenne en main mon clavier et que je fasse quelques petits tests. Voilà. Si je fais le test là, normalement, j'ai dû me générer un clip d'une minute, je crois. Ça n'a jamais marché. J'ai relu les conditions de fonctionnement de la commande. Et là, normalement, on va dire que je suis réglo. Au niveau des autorisations entre Wisebot et Twitch, donc je verrai après s'il m'a fait un clip. Que je relise un peu mes notes. Oui, j'ai mes notes que je gribouille honteusement, quasiment chaque jour quand j'ai une idée, un truc à corriger. Je me gribouille plein de trucs pour la programmation de la chaîne. Ouais, pour que j'ai pas fini de personnaliser les annonces des événements. Ouais, il y avait une idée de fan que j'ai pas encore mise en place, ça viendra. Par rapport au son. Pardon. Ça marche toujours? Oui. Ouais, c'est bien. Ça, c'est opérationnel. Alors, pour vous dire, en fait, je fais des saisies ultra rapides. Comment? Je suis l'heureux possesseur d'un... Oh mince, j'ai fait tout ma caméra, elle s'est freeze. Attendez, je reviens. Remboursé. La webcam, elle est cassée. Oh non. Alors, je suis tout tombé, voilà. Minute papillon. L'instant sabotage. Mais il faut que je gère mieux mes câbles, moi. Hop, j'ai remis le micro à peu près en correct. Alors, il faut que je redonne vie à la caméra. Je fais comment? Minute papillon. Alors, capture de ma tronche. Webcam. Tic. Désactiver. Réactiver.
Je suis de retour. Mal cadré, mais je suis de retour. Attendez. Ah mon dieu. Attends. Alors. Voilà. Voilà. Que j'ai un cadrage correct. Donc ça c'est cool, j'y touche plus. D'ailleurs, si je passe sur un autre plan, là vous me voyez en gros plan. Ah oui, je sais, il y a un truc. Oui, je reverrai plus tard. Je reverrai plus tard au niveau du swing. Ok, ok, voilà. Oh, c'est beau, j'aime bien le retour vidéo. Ah, c'est là où je me suis planté comme un caca dans le ravin. Oh là là, oui. Imparable. Hop. Voilà. Tic. Une loche baromètre. Ah, ça y est. C'est Wisebot qui fait ses annonces. Ouais, c'est bien. Et on voit que tout le monde est pépère hein, en ce jour férié. Alors, bon courage à tous ceux qui bossent, parce qu'il y en a qui bossent aussi. Hein. Je pense ne serait-ce qu'au service public, rien que ça. On est bien content de les avoir. Oui, audience toute pépère. Il n'y a pas grand monde, et se comprend. Et puis, il y en a qui, effectivement, ils ont raison, qui doivent regarder la retransmission à la télé des cérémonies officielles du 11 novembre avec le fait de raviver la flamme du soldat inconnu. C'est évidemment toute son importance. Et c'est là où j'adore la technologie et la toute puissance de l'Internet. Ça va être archivé le direct et qui que ce soit pourra regarder ce que je suis en train de faire en direct plus tard. Je trouve ça génial, le technologique. J'ai envie de dire, je suis né à la bonne époque, moi je m'éclate. Bah là, je boude pas mon plaisir. Eh bien. Oh là là, la perte de contrôle en pente, ça se voit. Ça fait un effet planche à savon. Et impossible de maintenir la trajectoire du véhicule qui partit en roue libre, en fait. Ça se voyait très nettement à l'image. Criant de vérité. Comment je tangue un mal de chien à... Bon là je suis à la manette, mais je pense que j'aurais fait ce jeu à l'époque où j'étais le repossesseur de mon volant. Ça aurait été... Je pense que j'aurais eu mal au bras avec le retour de force. Parce que les braquages et contre-braquages, là il faut en faire. Ah bah le ralenti est fini. Ce final dans le tonneau, oh non. Quelle idée de percuter un jeu de baril à l'arrivée de l'épreuve. N'importe quoi, mon Léo, ma manette. Allez, où la suite? Ah, si j'emmène ma manette et celle de mon micro, dès que je tirais la manette, je tirais le micro et tout va se casser la figure. Faut que je fasse attention. Donc, j'ai été nul. Les trois courses, j'ai fini bon dernier. Eh bah, on va faire la coupe elf. Allez, hop. Qu'est-ce que je fais? Je garde le même véhicule ou je prends un autre? Mince, mais non, c'est des voitures bloquées. Bah, je suis pas prêt de les débloquer, hein, vu mon niveau catastrophique. Ouais, je vais essayer la jaune. Honteusement, je me la joue pas pro en ne faisant pas de réglage du véhicule, ce qui est pas bien, en fait, en soi. Je suis en train de considérer en simulateur un jeu qui se veut quasiment... Enfin, je suis en train de considérer en arcade un jeu qui se veut simulateur. Ah... Merde, il va déjà être 11h, on va entendre dans quelques secondes, on va entendre le coucou.
Oui, il y a le coucou avec l'horloge là qui va. Pouf! Ah, t'as gagné un chevet commun. Bien joué. C'est l'occasion pour moi de refaire la promotion de mon jeu de pêche, donc je suis très fier. J'ai totalement modifié la version par défaut de l'Oiseboat du jeu de pêche. Donc j'ai renseigné, grâce au sacro-saint Wikipédia, que ferions-nous sans cette source d'information? J'ai renseigné tous les poissons d'eau douce de France, les disparus aussi, ceux qui malheureusement sont été déclarés disparus. Et là, je viens comme un gros nigaud de m'encastrer dans les bannières publicitaires. Donc ça fait une centaine de répliques, ça fait une centaine de poissons dans les eaux des rivières et fleuves de France. Voilà le coucou. Et les répliques perdantes, je crois pouvoir prétendre qu'il y en a même plus de 100. De temps en temps, je m'amuse à en rajouter une. Et je vous cacherai pas que je suis inspiré par des événements joyeux de vie ou en famille. Il m'arrive de temps à autre de me faire un week-end de pêche. Alors c'est pas moi qui taquine le goujon, hein. Mais c'est juste que j'apprécie de pouvoir m'aérer au bord de l'eau, surtout quand il fait chaud en été. J'ai failli foncer dans le ravin. Pardon. Surtout en été, ça, c'est un luxe, un bonheur que de pouvoir se rafraîchir au bord de l'eau, au bord d'un étang. Et puis ça me permet, voilà, de m'aérer. Et parfois, je m'inspire de véritables anecdotes vécues pour les pêcheurs que j'ai observées. Il faut que je lise ma carte en bas à gauche, moi. Il faut que j'arrête de faire mon idiot et d'essayer de me dire, tiens, je peux passer par là, alors que c'est pas du tout le parcours officiel. Et voilà, faites-vous plaisir, vous pouvez tenter une petite réplique du jeu de pêche une fois par minute. Alors j'étais un peu sévère sur ce qu'on appelle en anglais cool down, c'est-à-dire le délai de gel d'utilisation de la commande pour éviter un bombardement du jeu et un monopole du jeu dans le chat. Mais bon, ça vous fait durer le plaisir. C'est-à-dire que de temps en temps, vous vous dites, tiens, je vais tenter ma chance à la pêche. J'ai complètement merdé ma sortie de virage. Et voilà, voili, voilou, vous me faites plaisir. Tout comme moi d'ailleurs, qui resterait toujours amusé de voir quel résultat vous avez obtenu au hasard. Je vais essayer de rester un peu concentré sur la course. Voilà, on est à la mi-course. En fait, le premier, il a déjà une demi-minute d'avance sur moi. Je suis toujours aussi. Alors que j'ai un nouveau véhicule, je suis toujours aussi mauvais. What? Attends, je comprends plus. Non, c'est la route qui est fermée là. Oula, je me disais, mais pourquoi le truc est là? Ben, Dieu. Hop, j'ai pas franchi la balise, j'espère que je vais pas te sanctionner. Non, ça va, c'est pas punitif. Mais je suis arrivé un peu trop joyeusement dans le virage. J'ai du mal à m'y faire à ce véhicule jaune. Je m'étais habitué à mon gris, là, le Tata machin, là. Qui était plus robuste d'ailleurs. À mon avis, celui-là, il va mal finir certaines étapes. Bah, l'avantage de celui-là d'avoir davantage d'accélération pour les reprises, finalement, je trouve que ça ne me réussit pas tant que ça. Oh là là, ça fait lunaire comme paysage. On se croirait presque dans une carrière de soufre. D'ailleurs, ils ont ça, c'est une des ressources convoitées pour les malheureux, le peuple afghan, par rapport à l'actualité géopolitique. Ils ont une grande mine de soufre qui ressemble un peu à ça. Ces paysages jaunes, blancs ou orangés par endroits, ça fait un peu martien. C'est particulier et de toute façon c'est super dangereux à rester dans ce genre d'environnement par rapport à la toxicité du soufre et les malheureux mineurs ou travailleurs forcés. Bah, ils vivent pas très longtemps. Je crois que c'est même pire que nos mineurs de fond jadis. Je peux parler de ça, je suis lorrain. Entre les mines de charbon et les mines de sel. Bonjour, Zax de Citron. Je viens de voir ton arrivée dans le chat, j'espère que tu vas bien.
Apparemment, le son s'est pas lancé, je sais pas pourquoi. Peut-être que Wisebot s'est mis momentanément en grève. Ce sont des choses qui arrivent. Mais merci à toi d'avoir joué le jeu, de t'annoncer. Bon, bah, en espérant que tu ailles bien, mon cher Zexo Citron, tu vois, je suis en train de me faire un style de jeu que j'aime beaucoup, que sont les jeux de Paris-Dakar. En fait, tu t'évades au niveau esprit, c'est une promenade virtuelle en fait. Je le vis comme ça. Alors, je suis nul, hein, comme tu peux le voir, mais la plupart des concurrents ont une minute d'avance sur moi, même si j'arrive sur la fin de l'épreuve. Mais j'adore les promenades virtuelles. Il n'y a pas de cachet, pas de cachet. Waouh, va contrôler le véhicule à la descente. Ah, ce serait. Non, c'est pas l'arrivée. Non, 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 j'ai mal lu. Non, non, non. Ah, je vais endommager le véhicule. Elle est où la route? Au secours. Ah, je fais n'importe quoi. Remontez-moi sur la route. Ah non, elle est entre les deux panneaux. D'accord, attends. Attends. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Je fais n'importe quoi. Oui, oh, il n'y a pas tardivement sur le fait de la modification. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Tu sais bien que sur ma chaîne, c'est ultra baba cool. C'est simple que ça plaisir. Et puisque je baragouinais tout à l'heure tout seul dans mon coin, c'est qu'on est dans une époque merveilleuse au niveau de la technologie. Le direct là, évidemment, vous l'aurez déjà archivé 15 jours sur Twitch. J'ai activé l'option. Et de toute façon, j'ai vite fait de reprendre l'enregistrement et de le balancer sur ma chaîne YouTube. Comme ça, de manière intemporelle, si vous voulez revoir le ralenti demain, après-demain, dans un mois, dans 10 ans, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est cadeau. Bon, je fais n'importe quoi, là. Bon, allez, panique, j'appelle l'assistance. Bah oui. Non, mais là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai loupé ma... Oh, c'est moche, devant l'arrivée. Eh, c'est vicieux de la part des concepteurs de l'étape, là. Waouh. T'es premier, tu te loupes au dernier virage, je te dis pas comment tu rages. Ah, ouais, petite hors-piste, ouais. Il n'y en a pas que des petits, en fait. Honteusement. Mais le jeu est bien fait, hein. Moi, j'aime bien. Ah là 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 là. Ouais. Oh, on critiquera toujours, de toute façon, que ce soit des jeux d'arcade et surtout des jeux qui se prétendent simulateurs. On critiquera toujours la physique, en fait, programmée. Il y a un effet planche à savon qui est exagéré par moment, c'est vrai. Mais je trouve que ça fait la difficulté du jeu, quoi. C'est ça qui est bien foutu. Ah là 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 là. Je rebois un coup le temps de l'écran de chargement. Oh punaise, je vois pas l'heure passer. J'ai pris l'antenne peu avant 10h. Je pense que je vais rester jusqu'à 12h30, 13h avec vous. Les heures qui défilent, effrayant. Mais je suis content de me faire, là, comme c'est jour férié, de me faire une journée de repos. Je boude pas mon plaisir. Ah, paquet. Oh, le bord de mer. Non! Mais c'est moche! Oh, c'est coup d'auto d'empionneuse. Bon. Waouh, bah j'ai du bol que mon véhicule se soit pas encastré. Ouais, attends. Premier pont, échec. Aïe. Eh ben, on les aura pas vus longtemps, les concurrents. Et j'aurais pas fait 500 mètres que... Oh, cette partie escarpée comme ça en cuvette. Ça me rappelle une phase une portion de tracé dans l'excellent Toka 2, que je vous ferai d'ailleurs sur la PlayStation 2, je l'ai. Y a un circuit comme ça qui en jette un peu rallye cross, d'ailleurs je crois que c'est la discipline qui est dans le jeu, un mélange entre de l'asphalte et du gravier terre au bout, qui est vachement bien. Oui, ça fait... Ouais, c'est Mario Kart, y a de ça. Oh, ils ont fini dans l'eau, ces nibos. Ils avaient trop chaud, ils voulaient se rafraîchir ou quoi? Attends, faut pas que je me moque parce que je vais y aller aussi. Faut que je fasse bien. Elle est bonne celle-là, ils ont fini dans la rivière. Et puis pas qu'un, deux carrément.
Ouh, j'aime pas ces passages vachement techniques. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller, et généralement je me tape une... Je me tape un rocher un truc pas cool. Voilà. Voilà, j'ai pas su lire. Panique. Je demande carrément l'assistance. Je suis tétanisé là. Ah, ils sont passés par au-dessus, ils ont le droit en fait. J'aime pas du tout ces portions à la sauvage où la route se lit pas clairement. Voilà. Ah, c'est dommage, j'aurais pu prétendre avoir une petite avance et puis là j'ai tout perdu de panique en fait. La peur panique m'aura coûté cher. Non mais c'est sûr, c'est un jeu, il faut le poncer en fait. Il faut apprendre déjà à l'entraînement par cœur les tracés. Et après, faut tenter de les maîtriser. S'il n'y a pas de jauge, j'ai pas vu dans les options du jeu, j'ai pas vu de jauge de difficulté, pourcentage de réglage de l'intelligence artificielle. Du coup, pour déverrouiller les autres coupes et les véhicules, je vais m'y casser les dents. Je sais pas si j'y arriverai. Est-ce que je vous le ferai en direct? On verra. Est-ce que je me le ferai hors antenne dans mes rares petits moments de jeu hors direct? On verra, je sais pas. Seul l'avenir vous le dira. De toute façon, c'est. J'ai plein de jeux à vous proposer que j'aurai plaisir. On aura plaisir de se retrouver autour de bien des aventures virtuelles. Elle est censée être bonne en accélération et je trouve que la reprise n'est pas toujours tip top. Je sais que j'ai toujours l'inertie de mon précédent dérapage, mais quand même. Oula. J'ai la manette en plus qui vibre de temps à autre pour me dire attention, j'ai le bolide qui est en train de se prendre des coups au niveau de la rigidité de la piste. Oh, on est où là? C'est une exploitation agricole? Putain, je suis perturbé par le paysage. Oh là là. Non, il y a un pont, non. Ah bah tiens lui, c'est pas mieux. Coucou. Oui, mais moi je passe. Là. Je suis plus dernier. Ça fait plaisir. Si même l'intelligence artificielle se plante, je me retrouve rassuré. Attends, mais il faut aller où là? Waouh, wow, on dirait un décor de western. Je vais peut-être. Ah! M'a fait peur, cet idiot. Pardon, je vous lirai après là dans le chat parce que je vous cache pas que j'ai une infime chance de pas être dernier. Et si je pouvais ne pas être la lanterne rouge? Hop hop hop, il m'a fait peur lui. Comment j'ai pilé? Promis, je vous lis à l'arrivée dans moins de 5 minutes. Mais là, je suis focus total sur la piste de course. Yep. Mais n'hésitez pas à me pondre des pavés si le cœur vous en dit, parce que après, je mettrai éventuellement le ralenti de la course. Il me restera largement le temps de vous lire et de vous répondre. Je trouve qu'il tend vachement devant là. Il fait. On dirait presque un ballet artistique. La manière dont il chasse de l'arrière-train. J'ai cru qu'il était en train de se cracher dans le décor, mais non, c'est bien là. Oh! Il est passé en dehors du pont, carrément dans la rivière. Oh le fou! Comment qu'il a coupé? Ah, you. On y croit, je vais pas être dernier, Je lis à l'écran que j'ai 16 secondes d'avance sur le... Non, faut pas que je me déconcentre, vite. On y est presque. Ah, c'est traître, ces arrivées en lacet. Très, très technique. Alors qu'on a fait les trois quarts du parcours presque pied au plancher. Ça vaut presque la saveur de la victoire là, de me dire que je suis pas dernier. On y croit. Oui. Oui. Je
je suis pas dernier. Ah. Eh ben c'est bête, mais ça fait vachement plaisir. Alors, pardon, je vous lis. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? 14 heures de jeu environ sur Master Rally. 14 heures de jeu, merci pour l'info, Zelzo Citron, je savais même pas. Ouais, cette IA extraordinaire. L'IA fait quand même des remontadas. Oui. Et des joyeuses poussades. Ah, je suis content de pas être dernier. C'est mon premier écran du jour, je suis pas dernier. Ah, ça me fait du bien. J'ai sauvé l'honneur, comme on dit. Cool. Ah bah on va enchaîner sur la suivante. Je reste en l'heure, popo time, je reste coco, bien sûr, à toutes. Oui, bonne cuisine, Aerostar, merci tout plein. Démarrer la course, voilà. Honteusement, je ne fais aucun réglage, je me la joue pas pro, mais on n'est pas là pour ça. Parlant cuisine, d'ailleurs, je sais même plus ce que je croque. Je suis sur une coupe, en fait. Dans le jeu, c'est une coupe. Donc ça doit... Je pense que c'est l'équivalent de la campagne. Je me suis engagé dans la deuxième coupe, la coupe Elf. J'ai fait la première tout à l'heure, où j'ai perdu les trois courses. C'est des lots de trois courses, en ce moment, les coupes. Faut dire, hein, on le voit, c'est assez long, c'est bien. C'est du rallye d'endurance. On peut l'appeler ça comme ça. À la Paris-Dakar, là. C'est reparti, mon kiki. Là c'est la deuxième coupe que le jeu me propose. Il y a 4-5 coupes qui sont déverrouillées dès le départ, qui sont accessibles pour essayer d'engranger des points et débloquer des succès, déverrouiller du contenu. Ah, c'est un jeu exigeant. J'essaye de garder les concurrents à vue. Oula, le virage là il était traître. Avec la rambarde en bois, c'était un 90 degrés sec. Ah, il y a un tunnel. Il y a peut-être une autoroute à côté. Ah, j'aime bien les petits éléments de décor. Là, visiblement, c'est un château. Oh, le décor en jette, j'aime bien. Hop, 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 le freinage. Oh! Oh, l'accident! Vindiou! Comment qu'il s'est mangé le rocher? Ouah, le malheureux qui s'est encastré dans le décor. Faudrait pas que ça m'arrive. Eh, je voudrais pas dire, mais là, je suis assez régulier sur l'ensemble Alspat Gravier. Ça me réussit plutôt bien. En général, là où je suis bon, c'est sur la glace. Tout ce qui est rallye scandinave, Norvège, Finlande et Suède. Dans les jeux de rallye, ça me réussit, les pistes de glace. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, en vrai, à... va pas tarder à démarrer le célèbre trophée Andros, là. La célèbre marque de compote de feu, en pot. J'aime bien suivre un petit peu cette compétition de temps à autre. En général, on a des retransmissions gratos sur l'équipe 21, sur la TNT. C'est bien ça. Ouais, j'essaie de m'en shipper 2-3. C'est le cas de le dire, c'est rafraîchissant. Et c'est d'autant plus rafraîchissant, j'apprécie, c'est un championnat automobile où il y a plus de femmes que d'habitude. Je suis très content que la gente féminine se lance dans le sport automobile. Parce que quand on voit la Formule 1, à quel point ils sont machos, ça me gave. Ça me déçoit beaucoup. Oh, soupir. Je sais pas si c'est l'e-trophée.
Mais enfin, là, si tu parles de mon jeu, c'est la coupe elfe. Par contre, de la réalité, là, je parlais du trophée Andros. Donc le trophée Andros, comment dire, il y a plusieurs championnats en un. Il y a la formule électrique, ouais, enfin la formule électrique. Faut pas confondre avec la Formule E, qui sont des bolides de roues ouvertes comme les Formule 1. Mais ils ont des petites tutures 100% électriques. Il reste encore les motorisations thermiques classiques de grosses cylindrées. Je sais plus combien de sous-championnats il y a actuellement. Il y en a 3-4 normalement. Et puis je crois d'ailleurs, je crois même qu'il y a les motos où ils profitent des tracés sur glace pour faire passer des deux roues. J'ai failli le percuter plein fouet. Ouais, merci Zex Citron, ouais, c'est ça. Tu l'as très bien écrit dans le chat. Merci de toi. Oh! On a entendu le bruit quand il a percuté l'entrée du tunnel. Oh le fou. C'est bien d'avoir le concurrent juste en face de moi, il m'ouvre la voie en fait. Je vois ce qu'il faut faire et j'ai moins de panique à anticiper le tracé. Ce qui serait cool, ce serait que je le feinte juste à la fin et que je sois pas dernier. Mais à mon avis, j'aurais pas assez de puissance moteur pour le rattraper. Hop là. Ah, quoique, si je coupe un peu. J'ai osé. Oh, le salaud! Oh, c'est moche! Vous êtes témoin. C'est très moche ce qu'il vient de me faire. Moi, je l'ai proprement dépassé en prenant la corde à l'intérieur du virage. Tiens, pan, je vais rentrer dedans. Ça lui a rien fait, c'est honteux. Devait lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est un brigand. Voyou, rends-moi ma place. Ah, je lui claque la bise. On est portière contre portière. Alors, je le percute, lui. Il arrive à redresser la barre, alors que moi, c'est imparable. Je pars en vrille. C'est agaçant, ça. C'est pas équitable. Ça fait pas honnête. Ah, on passe sous la voie ferrée. Oh là là, toute cette boue. C'est un tracé crasseux. Ah, j'arrive pas. Oh oui, j'arrive pas à rester droit. C'est dommage, je serais resté droit, je serais avant-dernier et pas dernier. Mais là, elle chassait trop. C'était trop en planche à savon. Alors, je viens d'aller voir, je savais pas que c'était des courses sur glace. La glace, c'était l'équivalent le plus proche pour rouler comme sur de la compote. Va savoir. Oui, il y a un peu de ça au niveau sponsor. Mais c'est vrai que quand la neige part en version liquide boueuse, ça devient de la compote, on peut le dire, oui. Il y a de ça. Bien vu, Zex Citron. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je sais plus où j'en suis dans la coupe. C'était la dernière course? Ah oui, c'était la dernière. Voilà, c'était la coupe Elf. Ah bah je suis content. J'ai eu bronze dans la course 2, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais relire les conditions pour débloquer les autres véhicules. C'est quoi? C'est débloquer en gagnant deux coupes T1. Alors là, je suis pas prêt d'y arriver. Bon, bah, on va faire la coupe Goodrich. Mais j'ai envie de retrouver ma Toto là, ma Tata Safari. Toto, c'est le groupe. Il chante Africa. Ce sera peut-être de circonstance d'ailleurs. Allez, hop, go, je me lance. Aïe, aïe, aïe. Je tente mon jeu de la pêche. Ah, une lamproie marine. Eh bien. Cool. J'ai eu droit à un coup gagnant. Ah là 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 là. Attention au départ. C'est parti mon kiki. Hop là. Oh!
La violence. La violence du mode auto-tamponneuse. Ça va bien au stock car. Ah, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup de choses. Je gagate comme un ego, mais il y a des configurations de paysages, de tracés, j'adore. Waouh! A pas le droit de faire le moindre écart. Ça ne pardonne pas. Ouais, c'est ça. Tata Safari contre... Oh! Oh! J'ai pas pu l'éviter là, tellement que j'ai été impressionné par la cascade qui vient de se dérouler sous nos yeux. 20 du haut, le ralenti va être beau. Ça y est, j'ai la musique dans la tête de Toto. Voilà. C'est une honte. Oh là là, je leur fais ça, eux ils restent droit dans leur trajectoire et moi, holy donuts. C'est dégueulasse. Je tiens à vous le dire. C'est une honte. Wow, pas facile de lire le tracé là. Oui, il y a Aerostar qui est en train de faire sa popote en cuisine. Du coup, je sais plus ce que je me savoure. Ah oui! Ça y est, je sais ce que je me suis prévu au déjeuner tout à l'heure. Je vais littéralement aller me faire cuire un œuf. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé d'omelette. Et j'avais mon boulanger hier qui vendait en rab des boîtes d'œufs frais dont il s'est pas servi pour faire des pâtisseries ou autre pain. Et je me suis acheté une boîte de 6 œufs frais. Ça fait longtemps que je me suis pas fait des œufs au plat. Donc je vais m'agrémenter ça avec des fines herbes et puis je vais peut-être me faire dans une petite poêle un petit peu de viande. Parce que j'ai carburé qu'au poisson depuis une semaine, j'adore le poisson. Là, pour équilibrer un petit peu mes repas, je vais peut-être me faire un petit peu de haché de bœuf. Et mélanger en saupoudrant ça sur l'omelette, à mon avis, je vais pas bouder mon plaisir. Donc oui, on peut le dire, je vais aller sortir de ce direct, aller me faire cuire des œufs. Et ce soir, je sais pas ce que je me ferai pour le dîner. Je me ferai peut-être à nouveau du poisson, je sais pas si j'ai une grosse faim. Sinon je me ferai peinard un petit bol de céréales. Comme si on était un dimanche, comme si un jour de repos. Je vais pas bouder mon plaisir. Oui, je vois que vous êtes en train de m'écrire des choses que je lirai avec grand plaisir à l'arrivée et au moment du ralenti. Je suis dans la phase action, dans la phase course. Et le paysage continue de défiler sous vos yeux ébahis. Et pour un jeu PlayStation 2, je le trouve vachement joli. C'est génial qu'il soit parvenu à programmer des tracés aussi longs. Oh, je rattrape même l'autre, qui visiblement a été quelque peu brouillon dans son pilotage. Ah, je finis par m'y faire à la logique du jeu, là, à la physique. Je fais des scores moins mauvais, apparemment. Ou alors c'est le tracé qui me réussit. Et le revêtement sur la route, là, c'est un peu moins boueux. Parce qu'au début, là, on se crut presque en Angleterre avec le trophée Mobile 1, Mobile 1, qui se passe en pleine forêt. Vachement bien. Je l'avais fait sur le simulateur du même nom, là, le Mobile 1 Rally Championship, que j'avais sur PC, que j'ai retrouvé d'ailleurs sur PlayStation. Oula. Que je vous ferai peut-être un jour, je sais pas, on verra, ça fait partie des jeux déjà possibles. D'ailleurs, vous n'échapperez pas à ce que je vous fasse J'ai la chance d'avoir la première trilogie, les trois premiers opus sur PlayStation 2 de World Rally Championship. On va faire du vrai rallye aussi. Oh, un bâtiment moderne! C'est la première fois que je vois un bâtiment en dur, moderne dans le jeu. Ça change un peu des églises, des châteaux et des granges de fermes. C'est vrai que je perds à vue le concurrent en face de moi,
Je finis par être en panique parce qu'en fait, j'ai plus d'indices pour lire le parcours, le tracé à faire. Mais ce qui peut être piégeux en fait comme lecture de tracé, parce que si le concurrent en face commet une faute, je serais peut-être amené à la commettre aussi en fait. Bon, là je suis ravi de mon chrono, je suis dans le groupe, dans le peloton. Je suis pas en lanterne rouge, même si je suis ni dernier, on est d'accord. Eh ben on va remettre le ralenti rien que pour voir le gadin de l'autre au début. La gamelle qui s'est mangée, ça va me laisser le temps de vous lire. C'était impressionnant dans le passage en cuvette là. Alors, ouais, Tata Safari contre Toto Africa. Alors, le coup fétiche du tête à queue de l'adversaire, ouais. Imparable, malheureusement. Tu vas te faire cuire un œuf, oui, eh oui. Je me souviens même plus quand on emploie ce type de citation. Grosse cascade, ouais, la grosse cascade, ouais. Et encore, je sais pas si t'étais là sur le direct tout à l'heure. T'as loupé un concurrent qui a fini sur le toit. Je l'ai vu devant moi et j'ai... Du coup, j'avais gagné 15 secondes. Je me souviens plus quand on emploie ce type de citation. Oui, aller se faire cuire un œuf, c'est envoyer balader quelqu'un. Et si ils ont des droits sur les marques, là, le bolide rouge, on vient de voir, on reconnaissait nettement le logo de Nissan. C'est bizarre, ou alors ils ont juste eu les droits pour Nissan, ou ils ont honteusement parodié de très près le logo de Nissan et c'est assez trompé. Le jeu n'a pas l'air de prendre en charge ce type de collision. Oui, bah oui, c'est par rapport à la programmation de moteur de jeu, mais on voit hein, les dégâts sur les voitures. Là, il y a une des courses, on voyait quand je freinais, j'avais plus qu'un feu à l'arrière, j'avais plus les deux. J'avais endommagé mon véhicule. Attendez, le temps du ralenti, je vais me rasseoir différemment là. Parce que je finis par avoir une crampe. Ah, oh, j'ai les jeux des câbles. J'ai toujours peur de les manipuler en direct parce que c'est un coup à débrancher. Dans la webcam, je vous ai fait tout à l'heure. C'est bon, ça c'est fait. Mais si je vous débranche un autre truc et qu'il me faut un quart d'heure pour remettre en place, je serai gêné. Ah ouais. Voilà. Oh mon micro, il faut. Alors, c'est franchement bien le coup de ma perche micro. Pour que j'ai pas à hurler, pour que vous m'entendiez bien. Mais il faudra que j'optimise mon système de perche. Oui, câble management indispensable. Mais le pire, c'est que j'en ai, mon cher Zex de Citron. Mais je les ai déjà rangés en boîte, puisque je suis dans un perpétuel déménagement, j'ai envie de dire. À cause de cette. Je vous avais déjà expliqué qu'avec cette satanée pandémie. Elle aurait pas été là, je devrais théoriquement être déjà dans mon nouveau chez moi, mais bon, bref. Et que j'ai plein de choses déjà dans les cartons. Hop là. Peut-être que je vais ressortir encore un ou deux systèmes de rangement de câbles. J'en ai, mon cher Exocitron, ouais, ouais. Mais là, je suis dans une configuration à l'arrache, prêt justement à tout enlever pour me barrer ailleurs au niveau déménagement. Ce qui d'ailleurs, ce qui m'aide d'un point de vue test, pardon, j'ai des remontées, excusez-moi. Le fait de m'être assis différemment, j'ai les gaz qui ressortent dans la tuyauterie. Le fait d'être en aérien au niveau de mon matériel, que j'ai les câbles qui courent au sol et que je peux graviter, tourner autour de mon matériel informatique, ça me permet justement de faire des tests et de trouver la combinaison gagnante pour plus tard, quand je serai vraiment posé au propre. C'est une bonne chose en fait en soi. D'ailleurs, mon prochain direct, en dehors de celui-ci là, au temps présent, j'ai prévu de faire un direct le samedi 20 novembre, je crois, dans l'après-midi. Où moi, ça va être de l'endurance, déjà, d'un point de vue humain. C'est-à-dire que je vais essayer de vous faire un direct qui va durer 4-5 heures. Et je vais enchaîner sur le... Je vais faire un relais de chaîne chez mon copain FunFan. Où je vais enchaîner en tant que voix off, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre les samedis soirs. Où je commente son jeu, en fait. Le principe donc des samedis commentés, de l'épisode commenté. Et je vais voir si je tiens le coup en endurance, je prends le risque. On va faire le test le 20 novembre. 4-5 heures de mon côté, moi ma chaîne, où j'enchaîne carrément ensuite en voix off à commenter le direct de FunFan jusqu'à minuit. Donc ça va être soutenu,
mais je veux voir si je peux le faire, si je tiens. J'ai besoin d'évaluer combien en fait d'énergie ça me demande, de ressources en patates, en pêche. Oui, je suis toujours en rodage, oui, c'est. Et officiellement, j'ouvre ma chaîne au 1er janvier prochain. Là, je me considère toujours en phase bêta parce que j'ai pas l'habillage et les fonctionnalités toutes présentes telles que je les rêvais. En me disant, je vais diffuser, je veux qu'il y ait ça, il y ait ça, il y ait ça, il y ait ça. J'ai mon sacro-saint cahier des charges, comme je vous en parle de temps en temps, où je fais des corrections en me disant, ça, techniquement, je peux pas le faire, ça, je peux le faire, etc. Et j'ai encore du boulot. Je vous prie croire que j'ai encore. Là, je suis. On va dire, on est aux trois quarts opérationnel. Hein. J'ai bien ma tronche dans l'angle comme je voulais avec la captation, l'horloge. L'horloge me tenait vachement à cœur. L'idée d'avoir une horloge et puis d'avoir le. J'arrive pas à la spatialisation avec le doigt pour vous montrer en temps réel l'écran. D'avoir le chat en temps réel. Voilà. Maintenant, je vais encore rajouter des choses. Et d'ailleurs, avant de vous quitter tout à l'heure et de faire un possible relais de chaîne vers midi et demi, 13h, dans un peu plus d'une heure, on va dire, je rebasculerai sur un autre plan et je vous montrerai en fait ce que j'ai travaillé dans la coulisse ces dernières heures, au niveau de l'habillage. Là, vous ne le voyez pas, mais quand je vais couper le signal de la PlayStation 2, j'ai un arrière-plan qui est beaucoup plus dynamique et fourni en information, on va dire. Je vous ferai la démo tout à l'heure. Bon voilà, je papote tellement bien avec vous que j'ai même pas revu dans le ralenti la gamelle de l'autre. C'est pas grave. Vous l'avez vu et moi j'aurai plaisir à l'apprécier quand je battrai mon propre ralenti plus tard. Démarrer la course 2 de 3, ouais. La coupe BF Goodrich. Oui, hâte de voir ça. Ah, je ferai la démo tout à l'heure. Bah en fait j'ai deux compteurs dynamiques. Il y en a un que j'avais déjà, qui était le compteur de ceux qui suivent la chaîne, les followers, je n'aime pas les anglicismes, mais c'est le terme consacré, et les spectateurs en temps réel. En fait, j'ai repris les données dynamiques là, mais je les ai agencées différemment graphiquement, et je les ai intégrées à des dessins que je me suis fait moi. Vous verrez ça tout à l'heure. Puis de toute façon, c'est un truc qui sera un habillage qui sera amené à rester, donc. Vous familiariserez dans le temps avec. Oh, c'est quasiment du goudronné. Ah, il me claque la bise encore là. Il y a une portière contre portière. Wapapapa, pas facile de lire le tracé. À mon avis, on s'engouffre dans un tunnel, c'est ça? Ouais. Hop, j'ai failli louper l'entrée. J'ai failli percuter le béton de plein feu. Ça s'est passé à quelques centimètres. Ah, on est sur un barrage, à mon avis. Le bruit de la cascade est assourdissant. J'ai l'impression qu'ils ont une meilleure motorisation que moi. Hein. Ça se ressent. J'arrive trop vite. Ouais, alors moi je passe carrément derrière, allez hop. Ah, je veux pas aller dans la flotte, non. Oh le le. Ah, pour une fois que ça lui fait bobo, bien fait, nar. Alors là, pour le coup, je suis pas fair play, je fais mon vilain, mais je suis bien content. Ça, c'était pour toutes les courses précédentes. Non, non, le jeu me punit, non, non. Oh là là. Tiens, d'avoir fini le pif dans la flotte. Si je parviens dans les prochains jours à avoir la captation de ma PS3, j'ai le célèbre Sega Bashing Fishing, là, le célèbre jeu de pêche. Ce serait amusant que je vous le fasse, ne serait-ce qu'une fois, pour vous montrer le principe, le côté technique. Il y a vraiment du technique dans ce jeu. C'est un vrai simulateur de pêche, enfin je le considère tel quel. Et le côté apaisant de la pêche.
faudra que je le fasse au moins une fois, une petite séance de 1 heure minimum. Hein. Je crois qu'on peut, le temps de vous donner quelques explications, il peut facilement se passer 1 heure. Oh là là, c'est hyper accidenté. T'as pas le droit de sortir de la trajectoire. Ah, on se retrouve à nouveau dans un paysage lunaire. C'est presque angoissant. On se croirait dans un paysage de feu de forêt, là. Après l'incendie, et c'est devenu une terre de cendres. Oups. Oula, 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 oula. J'arrive pas du tout à contrôler le véhicule. Je lui dis de tourner, mais il se passe rien. Non, je conduis mal. Alors là, mon pilotage est catastrophique sur cette étape. Oh là là. Encore une vallée encaissée. Hop, 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 hop. Heureusement que j'ai pilé sur la pédale de frein. Oh là là. Redresser le véhicule, vas-y. Et pourtant, je suis en montée. Hein. Ce serait une descente, une glissade, je comprendrais, mais même en montée, je suis en galère pour maîtriser le véhicule. Faut que je prenne le réflexe d'avoir un petit coup d'œil sur la carte en bas à gauche. À mon grand tort, je l'ai pas. Voilà, la virage en épingle. La 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 la. Ah, un petit peu de verdure. Il y a quelque chose de rassurant. Mais on dirait vraiment une terre brûlée là. Ah, je vois un concurrent sur la carte. Qui est pas si loin que ça, ouais, qui a 10 secondes de moi par rapport au chrono. Ah, ça me rappelle un... Vous savez, les déserts de sel, là, les... Tout ce qui est mine de sel à ciel ouvert. Les salières et compagnie. Il y avait un peu de ça, je trouve, dans le passage qu'on a eu. Au niveau des corps. Ah, ça va, correct. On va dire que j'ai un chrono correct, c'est pas aussi catastrophique qu'au début. Je ne me plaindrai pas. Allez, allez, allez. Oui, continuez. Ouais, je vais enchaîner avec l'étape suivante. Allez, dernière course de la coupe. Il est coupe BF Goodrich. Je me ravitaille en flotte. Ah, en route avec Tata, c'est ça. Un gobie demi-lune. Ah, il y a des noms de poissons. Parfois, j'étais impressionné quand j'ai programmé le jeu de la pêche. Avec les poissons d'eau douce, il y a des noms de poissons absolument dingues. Il y a aussi des poissons morphologiquement qui sont flippants. Il y en a un, je ne sais plus son nom, d'ailleurs je l'ai noté, j'ai mis entre parenthèses, ce poisson me fait flipper. Enfin, la photo de ce poisson me fait flipper. Et à l'occasion, quand il tombera, on en reparlera, j'ai recherché la photo sur Wikipédia. Et le poisson est vraiment bizarre. Bon, bref, j'ai envie de dire sa tronche, mais revient pas. Oh! Profitez de ces quelques rares secondes où je peux me vanter d'être en tête de la course. Je pense pas que ça puisse durer. Mais bon, ça fait plaisir. En fait, vous me voyez le moi du futur quand je maîtriserai le jeu. Ah mon dieu! Ah, ce paysage de fou! Ah, c'est une église en haut.
Ah, j'aime bien le ciel orangé là. Oh, joli petit patelin. Oups! Waouh, c'était quoi cette butée? C'est pire que les. Ça m'a fait un pire effet que les gendarmes, les dodanes en ville. Les zones à 50-30 km/h, les ralentisseurs, ça a relevé brusquement mon capot et on a entendu le point d'impact. Enfin, on a entendu l'impact, pardon. Hop, 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 voilà. On revient sur la route. Oulala. Alors là, la route, elle est moins lisible. Allez, c'est parti pour une descente en lacet. On dirait presque du slalom aux Jeux Olympiques d'hiver. Aïe, 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 aïe. Ouh, j'ai les amortisseurs qui prennent cher. D'ailleurs, je suis surpris qu'ils soient considérés encore comme étant intacts. D'avoir le logo en blanc, c'est qu'ils sont encore tout neufs. Vous voyez déjà les avoir consommés et entamés et être en vert. J'ai bien merdé mon freinage. Je me suis laissé surprendre par le dénivelé de la route avec un effet cuvette. Oh, le tracé, il est technique le tracé. Ah, là, je ralentis. Oh là! Oh! Ça a eu un effet dune. C'est renversant. Ah, c'est psychédélique ce ciel. Hop là. Ah, j'arrive pas à rester dans le tracé. J'ai le véhicule qui tangue un peu trop, qui chasse un peu trop. Hop là. Doucement, doucement, doucement. Et sinon, je vais finir dans le décor. Alors, là, on longe la barrière. Attention. La 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 la. Alors quand je me mets à chantonner comme ça dans des jeux de course et que je me détache, pardonnez-moi, de vous, c'est que j'entre en transe en fait. Je suis concentré. Mais qu'est-ce que c'est que ce tracé? Fallait passer où là? Ah oui, il faut passer sur les côtés? J'ai cru que c'était une arrivée dans un village, du coup tout le monde est double. Dommage, j'étais en tête. Mais il y a des moments où tu te dis, mais c'est pas possible, je suis condamné à me péter le décor en fait. Oh, c'est dommage! Bah, il n'y aurait pas eu ça, j'aurais gagné la course. Vous voyez, y a le final qui est traître dans les étapes. Quoi, du coup, voilà l'arrivée au village, illustre mon propos. Oui. Oui, tu sais pas où aller. Oui, c'est ça? Moi, j'arrive plus à lire la piste en fait. Donc, je me suis encastré comme un nigaud, comme si j'allais me garer dans un ranch. Voilà, bon. C'est le côté en fait cruel du jeu où tu es obligé de connaître à l'avance les tracés, les mémoriser. Et en fait, tu dois apprendre à jouer ta partition à la perfection derrière. C'est le principe du jeu. Bon. Mais je suis content, bien que je sois dernier, j'ai fait une belle course. J'ai quasiment fait 90% du tracé en tête. Donc, ça, c'est sympa. Ça veut dire que la prochaine, à mon avis, c'est la bonne. Faut juste que j'appréhende ce conglomérat de bâtiments où il faut rentrer dedans, quoi. Mais... À Coupe Fujitsu Siemens, ça y est, on enchaîne. Boop. À la grande promenade du jour. Attention. Merde, je sais plus c'est quel bouton.
J'ai... Ah mince, ça dit, il faut que je choisisse le véhicule. Oui, bon, on reste en tata, on est bien en tata. Ah, j'ai perdu, mince. Je sais plus. J'ai programmé des touches, j'en ai 6 de préprogrammées. Et de tête, je sais plus. Je crois que c'est ça. Oui, ça va, j'arrive à faire un effort de mémoire. Allez, je bois un coup rapide avant le départ. Ouais, bah le temps de découvrir la coupe là, non, aujourd'hui on fera que le jeu là. C'est pas, je fais du case break d'autres jeux d'autres fois. Quand j'entends Tata, je pense toujours au sketch de Omar et Fred. Oui, ah oui, excellent. Oui, Omar et Fred qui se sont connus sur Canal avec. Ah, j'ai oublié le nom de l'émission, les petits épisodes journaliers qu'il y avait dans Nulle part ailleurs. Le service après-vente des émissions. Oui, Sally, c'est Tata Suzanne. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un sketch visuel idiot que Frédéric Testo faisait vachement bien, qui me faisait rire à chaque fois. C'était à l'approche des fêtes de Pâques, comme il avait le... Je sais pas s'il a encore cet aspect physique-là. Oui, elle savait des émissions. Il avait, comme il avait le crâne chauve, il a ce qu'on appelle familièrement un beau crâne d'œuf. Il s'enroulait un ruban sur le crâne et il disait je fais l'œuf de Pâques, viens me retrouver dans le jardin. Je rigolais à chaque fois. Le sketch visuel était excellent. Et c'est vrai, il faut dire ce qui est le cas. Fred Testo a un beau crâne. J'ai envie de dire, en comparaison à moi j'ai un crâne difforme, malheureusement. Parce que je me suis pris des beignes quand j'étais petit. Alors je vous rassure, hein, les beignes, c'est pas les parents, j'ai eu des parents adorables. Mais c'est que je me viandais beaucoup. Et combien de fois je me suis ouvert le crâne? Ah là là, ça c'est les souvenirs douloureux de l'enfance. Combien de fois j'ai fini à l'hosto parce que je tombais, je chutais lourdement et je me pétais le crâne. Du coup, quand la dernière fois que j'ai passé une radio de mon crâne, je vous prie de croire que la surface de mon crâne, on dirait des dunes dans le désert. J'ai pas du tout un crâne bien façonné. Il est complètement cabossé. J'ai une forme de crâne disgracieuse. Ouah, papa, t'es. Il y a des moments, je sais pas si c'est votre cas, mais à l'écran, par rapport au paysage qui défile, par moment, j'essaie de me dire mais dans quel pays je pourrais me trouver en fait. Quel est l'équivalent réel? Tout à l'heure, j'ai évoqué le Chili parce que c'était très escarpé. Là, quand je vois le côté boisé comme ça, ça me fait penser à la Grande-Bretagne, le rallye de Grande-Bretagne qui est humide et boueux, et quand il y a du brouillard d'ailleurs, c'est redoutable. C'est redoutable. J'arrive plus à lire la piste. C'est loin d'être toujours un avantage que d'avoir de vastes étendues. Oh! Pour traverser la flotte. Oups. Ah, j'ai les amortisseurs qui ont pris cher. Je pilote tellement mal que là, ils sont déjà à l'orange. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe de ne pas casser. Parce que je suis à peine à plus de la moitié de l'épreuve. Excellente question de ta part. J'allais dire fan. Zexo Citron, pardon. Je sais pas si c'est l'objet du tracé réel. Ou c'est purement fictif. Eh ben tu sais quoi, ta question est fort pertinente et elle me titille la curiosité. Je mènerai une recherche dans la journée. Ah, d'ailleurs, en parlant de questions, tu m'en avais posé une quand je jouais à Gran Turismo 3 précédemment et je l'avais pas lu, pardon. Je l'ai relu dans mon historique de chat après. Tu m'avais posé la question si je jouais en manuel ou en auto. Je suis en auto. Je me facilite la vie, je me prends pas la tête. Alors c'est vrai qu'à la gâchette, à la manette PS2, je pourrais passer des vitesses. C'est comme ça qu'on fait généralement quand on se la joue pro à la manette. Mais non, je suis baba cool. Vous comprendrez, diffuseur que vous êtes d'ailleurs, vous aussi sur Twitch,
ça m'économise un peu de ressources cerveau, de ressources cérébrales, ce qui me permet de me concentrer un petit peu sur le chat en même temps que le jeu. Et l'idée de gérer les régimes, et pourtant Dieu sait que c'est pertinent hein, de gérer manuellement la boîte de vitesse, aussi bien dans les jeux d'arcade que de simulateur, pour maîtriser son bolide. Non, je fais mon flemmard et je bascule en mode automatique. Peut-être, et je vous le signalerai, qu'il m'arrivera à certains moments de vouloir volontairement passer au mode manuel. Mais non, en boîte de vitesse automatique, là, je ne prends pas le chou là, pour ça. Ça va, j'arrive à rester groupé dans le peloton. C'est au moment où je le dis que je vais finir de me quick. Alors, j'étais en manuel. Quand j'avais le volant pédalier, j'étais en manuel. Parce que c'est le grand confort, c'est la... T'as le plaisir d'avoir la maîtrise tout sous les mains. J'étais en manuel quand j'avais le volant pédalier. Mais là, revenu à la manette, je fais mon flemmard et hop, je laisse honteusement le mode automatique par défaut. Ah ! Moi, je suis parti en dérapage incontrôlé. Voilà pourquoi vous m'entendez gémir. Eh, correct. Je suis resté dans le peloton. Je suis content. Ah, il y a mes messages automatisés qui arrivent. Ah, la citation du jour d'Albert Einstein. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Elle est célèbre, cette phrase. Ah là là. Ah! Ah oui, j'en ai une bonne à vous raconter par rapport à la programmation de ma chaîne. Ça y est, vous avez les progressions de fidélité, les fameux level up là. D'ailleurs, je vais peut-être changer le terme, j'aime pas les anglicismes. Je vais dire niveau supérieur de fidélité, je corrigerai, je vais franciser un max de trucs encore. Bref, tout ça pour dire que je m'étais planté dans le paramétrage, j'avais mal lu l'unité dans la coulisse Wisebot. Je croyais que j'avais mis 3600 secondes, c'est-à-dire une heure. Toutes les heures, il y a un rappel de qui a monté en niveau de fidélité sur la chaîne. Et c'était pas des secondes, c'était des minutes. C'est-à-dire c'est-à-dire que toutes les 3600 heures... Enfin non, toutes les 3600 minutes, pardon, ce qui fait 60 heures du coup. Toutes les 60 heures, il y avait un rappel. D'ailleurs, je suis surpris que Wisebot propose d'aller aussi loin dans la jauge de... Enfin bref, temporelle pour l'option là. Et je l'ai corrigé quand je me suis rendu compte, je me suis planté d'unité. Là, voilà, toutes les heures, vous avez un rappel des... Alors, je crois que j'ai dit juste 10 spectateurs. On peut aller jusqu'à 20, mais parfois, ça fait un pavé. Et en plus, ça tronque éventuellement les pseudos. Les 10 spectateurs piochés au hasard. J'ai pas lu la carte. J'ai cru qu'il fallait tourner à droite. En fait, c'était à gauche. Bien fait pour ma tronche. J'étais pas du tout concentré au départ. Et voilà, quoi. Oui, ce sera utile, oui, dans les marathons, dans les... Ouais. Bah, c'est toujours un peu gadget. Moi, j'expliquais souvent, j'ai eu ce débat avec FunFan, où je suis pas adepte du niveau de fidélité. Alors là, par contre, ça fait vachement désert. J'apprécie. Waouh, là, on se croirait en Afrique. Là, vous pouvez jouer la célèbre musique du groupe Toto, avec la voiture Tata à l'écran. ça y est, avec mes âneries en direct, je sais plus ce que je disais. Oui, pour moi, c'est une fonctionnalité gadget, le coup de la fidélité, machin, mais bon, je vous ai consciencieusement créé des niveaux par palier de 10 niveaux jusqu'au niveau 100. Le niveau 100 ultime, et je suis pas allé au-delà, c'est je vous nomme sociétaire, en fait. D'ailleurs, autant dire que ceux qui sont sociétaires, c'est des grands fidèles en heure à me suivre. Si ça devait arriver, autant dire que je vous offrirai, si je le peux, puisque c'est conditionnel, ça fera de vous un candidat au titre de VIP sur ma chaîne, si vous ne l'êtes pas déjà, en fait. Alors on verra ça le moment venu. Oh là là, comment qu'il s'est encastré dans le... Je le pousse. Nah.
Je n'ai plus de honte à le pousser après tout ce qu'il nous fait subir. Ah là 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 là. Hop, 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 sympa la montée. Vas-y, vas-y. Oui, donc il y a deux curieux et un amusé dans les... dans les statuts fidélité. Ouais, le fait d'avoir le statut de curieux, c'est le début, c'est les 10 premiers niveaux. Ah là là. Wow! Technique! Impressionnant le tracé. Alors là, ça rigole plus. L'erreur n'est pas tolérée. Ah, comment c'est encaissé! Ouais, le rallye raid, j'adore ça. Ah, le coucou nous indique qu'il est midi. Déjà. Ouais, donc je rendrai l'antenne d'ici un peu moins d'une heure. Le prochain coucou, malheureusement, je pense pas que vous l'entendrez. Hop, 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 hop. Apparemment, le fait de faire une coupe, bah, ça occupe une bonne heure. Ça occupe une bonne heure. Yep. Ips. Oh, l'épave de l'avion. Je pense que vous avez eu le temps de l'admirer. On aurait dit un vieux bombardier. Hop là. Oui, d'ailleurs, je profite de ta présence, Exocitron, je me permets... Ah, j'ai endommagé la direction, là. Je me permets de te soumettre la question. T'étais habitué sur ta chaîne à diffuser donc les mardis soirs et les jeudis soirs. Et ça s'est pas refait depuis, donc je devine que tu es très occupé d'un point de vue professionnel et à ta discrétion, possiblement occupé de manière familiale. Donc en espérant que tout se passe bien pour toi, je sais pas si t'as un... Je sais que l'ambition tu l'as et que tu programmes quelque chose, tu programmes de la surprise à venir sur ta chaîne, mais j'ignore si tu es en état de nous décliner une date pas forcément précise, un mois espéré de reprise d'antenne sur ta chaîne, parce que tu sais à quel point j'apprécie tes directs. Ces moments de récréation toujours bienvenus. Enfin, si tu souhaites, bien évidemment, répondre à la question. Rien ne t'y oblige. Tu peux rester dans le secret absolu. Hop là. Ah, je pilote mal. Je me fais avoir comme les autres, en fait. Le pire, c'est que je vois les autres faire la faute devant moi et je suis pas fichu de parer l'épreuve, l'obstacle. La difficulté en elle-même. C'est nunuche de ma part. Si je peux accélérer là. Ah, c'est déjà le dernier quart de l'épreuve. Hop là. Hop. Hop, je coupe dans les buissons. J'ai pris le risque. Il y aurait eu un rocher derrière que j'aurais pris plein pot. Et je l'aurais payé cher. Eh bien. Attends, j'arrive... Oh oui, j'arrive plus à lire le parcours. J'essaie de regarder la carte en bas à gauche, mais comme c'est un dénivelé assez prononcé en hauteur, les montées de côte, ça craint. Ah, chic! Merci, j'ai vu que tu m'avais pondu un pavé, merci à toi, que je vais lire à l'arrivée de cette étape de folie. Ah bah, ça y est, on y arrive. C'est les derniers mètres. Ah! Retour sur le goudron et l'asphalte. Ça ne suffira pas pour rattraper mon retard, dommage. Oups. Oh, 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 je finis derrière la caravane. Rigolo ça. Alors, j'ai un planning chargé, mais j'essaye parfois de relancer. C'est toujours difficile à programmer. Mais il y a certaines choses que j'ai envie de partager. Je tenterai le coup de manière un peu plus improvisée, bientôt si possible.
Pas mal cette course, oui, merci. Ouais, je finis par rester dans le rythme maintenant. Ouais. Merci, merci. Ah, mon cœur balance. Il est midi. Est-ce que je leur lance juste une coupe de... Non, non, quittez, attends, j'ai zappé le truc trop vite, là. La coupe Go, allez. Je me lance rapide dans la dernière coupe Go et je pense que ça permettra de couper juste avant le avant 13h. Oh, je suis pas à 5 minutes près, on est en jour férié, on est en repos. Et j'irai me faire cuire un œuf après. Ah mon dieu. Mais c'est vrai que j'ai faim. Rien que d'y penser, faut que j'évite d'y penser parce que ça me donne faim. Je vais avoir le ventre qui va se mettre à gargouiller. Surtout que c'est honteusement, j'ai pas pris de consistant petit-déj. J'ai juste pris mon café au lait. Ah, là tu vois, il y a le rire qui s'est pas déclenché, le son. Alors que t'as fait usage de la bonne émoticône. Parfois, il y a Wisebot qui est un peu capricieux. Bon. Oula. Les départs sont toujours délicats. Comme on est groupé en masse compacte. Oh non! Non, vous êtes des vilains, les mecs! Non! Oh là là! Faut le mériter, cet œuf, un tournoi en bonne position et c'est bon! Oui! Oui, oui, oui! Bah, j'ai même hésité à acheter du pain supplémentaire hier quand j'ai acheté la boîte de frais chez le boulanger. Parce que ça faisait longtemps, ça fait longtemps en année que je me suis pas fait des œufs à la coque. Et j'aurais pas dit non. Mais j'ai la flemme de surveiller la cuisson des œufs comme il faut. Et c'est surtout que je crois que j'ai plus mon décapiteur d'œufs là. Enfin, vous savez, le truc en forme de tête de Mickey. Qui permet de. J'ai failli continuer tout droit en direction du ravin, moi. En voyant les véhicules passer sur le pont. Ah, la sortie catastrophique de virage. Oui, donc j'ai plus l'ustensile, je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai peut-être également aussi rangé, déjà sous carton. Mon coupe-œuf. Tant pis, je me ferai des œufs à la coque plus tard. Là, rien que sur le plat, ça va me procurer bien du plaisir. Avec la variante que je vous ai décrite tout à l'heure. Waouh, mais c'est à peine lisible. Bonjour les arbres en bord de route. Vous pouvez être certain que je vais m'en taper un. Bah, ça est le cas du concurrent que je suis en train de doubler d'ailleurs. Il a fini dans le décor. On pourrait presque dire qu'il est tombé dans les pommes. Oh là là, il est technique ce. Bon bah c'est bien au final, on aura fait toutes les courses de toutes les coupes déverrouillées par défaut dans le jeu. Aïe! J'ai tapé méchamment le parpaing, le muret. Oh, l'autre est juste derrière moi. Je sens qu'il va jouer de la pitchinette et qu'il va me pousser, lui là. Enfin bon, qui vivra verra. Ah, même pas. Je reconnais que là, il m'a dépassé proprement. Contrairement à moi. Pour le coup, c'est moi qui fais la poussette. Oh là là. Oh là. Oh. Voilà. J'ai endommagé ma direction et je l'ai envoyé valser. Je fais mon vilain. Et ce genre de comportement agressif vis-à-vis des concurrents, dans la saga de simulateur automobile Toka 1, 2 et 3, eh ben, vous êtes sanctionné. Il y a les commissaires de course qui vous jugent et qui vous disent au prochain carambolage provoqué, vous écopez du redouté drapeau noir qui vous dit vous êtes disqualifié. Vous êtes prié à rentrer au stand et à rentrer chez vous. Parce que votre comportement a été jugé anti-sportif. Il fallait que je me tape un arbre. Ah, soupir. Intéressant ça, je me demande si les pénalités existent dans les jeux plus récents.
Je crois qu'il y a dans la série Formula One, Formule 1, qui se met à jour chaque année. Je crois qu'il y a ça. Je crois, hein, je parle au conditionnel. Mais normalement, ça se veut simulateur, donc ils l'ont programmé. Lequel autre récent fait ça? Il y a. Mince, comment il s'appelle? Je crois Shift. Le seul simulateur de la saga Need for Speed, le Shift le faisait. Mince, j'ai pas lu le. Je croyais qu'il fallait tourner à droite encore une fois. Mince, mince, mince. Oups! Je reviens de manière très acrobatique sur le tracé. Il y a, je sais plus le nom du simulateur. J'ai même le 2 qui m'a été généreusement offert par mon cousin et je peux pas y jouer parce que mon ordi n'est pas assez puissant. Mais je me suis déjà frotté au premier avec le volant pédalier, c'est un régal. C'est pas Assetto Corsa qui, je pense, lui aussi doit prendre en considération ce genre de pénalité. J'ai un trou de mémoire, veuillez m'excuser, je vous le redirai à l'occasion. Mais ouais, ce genre de programmation d'intelligence artificielle et de considération de la faute de pilotage est rare parce que je conçois que ce soit difficile à programmer. Mais Toka était reconnu rigoureux et ça faisait son charme à l'époque. Le fait d'avoir un comportement anti-sportif était pris en compte. Ça va me faire comme Lagrange. Voilà, je me suis encastré dans l'église, ou du moins ce qui semble être une église. Oh là là, très technique le passage. Il est évident que tu ne le passes pas à fond la caisse. Oui, l'inertie des jeux de course, ouais, est difficile à mettre en place. D'ailleurs, tu me fais penser, en parlant de jeux de course, j'avais lu et je regrette de ne pas avoir sauvegardé cette page de forum. J'aurais dû faire un enregistré sous à l'époque parce que je ne l'ai pas retrouvé. J'étais tombé sur le témoignage, je crois d'ailleurs j'en avais discuté avec toi sur ta chaîne, Zach de Citron. Un des développeurs français du groupe. Du groupe. Comme s'il faisait de la chanson. Du studio de développement Eden Games, qui est basé à Toulouse, je crois. Du moins l'était. Ils avaient fait la programmation du premier test drive Unlimited, que je vous recommande si vous aimez comme moi les jeux de bagnole en monde ouvert, enfin du moins évasif, avec des kilomètres et des kilomètres à faire, virtuellement parlant. Bref, j'avais le témoignage d'un développeur qui disait le plus chiant à programmer, le joueur s'en rend pas compte. Mais le plus chiant dans la technique, dans la programmation d'un jeu, c'était de calculer les reflets du paysage sur le capot, les reflets sur la bagnole. C'est le plus chiant à programmer en fait. Et tu passes des heures pour pouvoir avoir un résultat crédible, potable, et pour assurer l'immersion dans le jeu. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et je présume aujourd'hui que les développeurs auront moins de soucis à se faire là-dessus avec la fameuse nouvelle technologie Ray Tracing, qui est la prise en considération de manière dynamique et calculée par la carte graphique de manière autonome du jeu de rayons de lumière et des effets miroirs. C'est ça. Et ben avant le Ray Tracing, voilà, on est d'accord, Zex de Citron, on s'est compris. Avant le ray tracing, quand il fallait programmer ça manuellement, de manière artisanale, c'était galère pour les développeurs. On dirait pas comme ça, mais son témoignage est très intéressant. Ils en bavent toujours. Et là, l'arrivée du ray tracing, en fait, ça sauve vachement les équipes de développement. Ça leur évite de faire un taf monstrueux et de s'occuper d'autre chose, pourvu que ce temps dégagé au développement. Ils le mettent désormais à l'intelligence artificielle parce que il y a pas mal de jeux où on se plaint où l'intelligence artificielle est un franchement cucu la praline. Pardon de l'expression, mais parfois c'est pas fameux fameux. Oh là là, je suis encore en mode auto-tamponneuse là, on est en train de jouer du pare-choc. Ah, on est en zone agriculture là, on voit les rouleaux de paille au loin. Oh le saut! Oh là là, il a failli me percuter le malheureux.
Oh, les sagouins, ils coupent en fait dans la flotte, alors que moi je passe joliment sur le pont. Ah bah, elle est pas mal celle-là. Et B. Non! Voilà, mais j'accélère. Je vois que j'avais trop de vitesse. Tant pis, je passe derrière. Parce que sinon, je fais appel à l'assistance et je vais perdre davantage de temps à être mis sur la route. Enfin, la piste du moins. On peut pas vraiment appeler cette route. Il y a de l'herbe sauvage partout. Bah tiens, d'ailleurs, je veux rendre hommage un peu à la série Dirt. Dirt Rally. Qui a aussi des parcours magnifiques. Oh là là. Je sais pas si j'aurai l'occasion de faire ça aussi, ces jeux-là, on verra. Mais j'ai passé des heures merveilleuses de pilotage sur ces œuvres-là. Magnifique production vidéoludique. Non. Lui, il y a utilisé un raccourci. J'ai pas paramétré le niveau de difficulté. En fait, j'ai pas souvenir qu'il y ait un... J'ai regardé, j'ai farfouillé au début avant de prendre le direct. Dans les options, j'ai pas vu d'option de difficulté. Je reverrai à deux fois tout à l'heure. Si je me rends compte que j'aurais pu mettre en plus facile, bah, ce sera l'occasion de plus tard d'y rejouer en facile, on verra. Mais j'ai pas souvenir qu'on puisse modifier la jauge de la difficulté au niveau des concurrents. Malheureusement. Donc voilà, une fois que la coupe là sera finie, et je crois que j'en suis à la deuxième sur les trois courses, donc on a encore un petit peu de temps ensemble. Ah, le clocher, extra. Sympa le coup de clocher. Je vous présenterai, on passera en mode bavardage, et je vous présenterai rapidement mes petites nouveautés de ce que j'ai fait dans la coulisse. Et puis voilà, je vous laisserai sur un... Je pense que j'aurai l'occasion de faire un relais de chaîne. Et je verrai qui parmi ceux que je suis, je pourrais vous laisser en bonne compagnie. Et puis quant à nous, bah, on se retrouvera, en ce qui me concerne, on se retrouvera sur mon antenne le samedi 20 novembre dans mon agenda. Ce sera une grosse journée test pour moi. En milieu d'après-midi, je prendrai l'antenne et j'enchaînerai carrément sur le samedi commenté avec mon ami FunFan. Dans l'idéal, en fait, c'est des week-ends comme ça que j'aimerais faire à l'avenir. Faire une bonne journée, voire carrément parfois démarrer le matin. Et enchaîner jusqu'au soir en mettant voix off chez FunFan. On verra, c'est... Je verrai l'énergie que ça me demande, si c'est vraiment épuisant d'avoir un monologue. J'ai mis passé d'animateurs radio qui m'aident beaucoup à combler le blanc et à faire l'animation à la voix, en plus de jouer en temps réel. Twitch était fait pour moi, c'était ma destinée. Ah, grand plaisir d'être avec vous. C'est cool! La technique fonctionne, la technologie, c'est beau, tout ce qu'on peut faire. Ah, petit passage boisé. On se croirait presque dans les Vosges. Bon là c'est un peu trop montagneux là, faut pas déconner, c'est pas un ballon. Ah fin... Oh, je suis pas dernier. J'avais même pas vu que je n'étais pas dernier. Cool. Tiens, je vais me faire un petit GG. Oh, bien le bonjour, bonsoir à toute la compagnie. Je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche, c'est ça le GG, pardon. Voilà. Je ne suis pas dernier. Il était une seconde derrière moi. À regarder les résultats. Ah là 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 là. Voilà, dernière course. Oui, bah c'est bien. Voilà, je vais rendre l'antenne un petit peu après midi et demi. Allez, zou, on se lance dans la course. La petite dernière de la Coupe Go.
En termes d'autoproduction médiatique, on a encore de belles choses qui arrivent. Ouais. Ouais, c'est cool. Moi, ce que j'apprécie aussi sur Twitch, c'est-à-dire que les choix varient de plus en plus. À la base, hein, c'était Justine TV, historiquement parlant, et c'était du jeu vidéo. Et que chacun y aille de son direct, cuisine, couture, art, randonnée en extérieur, en temps réel. Je regarde un peu ma caméra parce qu'elle a bougé. C'est vachement bien, je suis content. C'est génial, l'offre sur Twitch qui s'étoffe. Mois après mois, c'est vachement bien. Hop, papaye, oh, j'ai pas réussi à redresser la barre. Ah, grrr. Hop là. Ah, on retrouve mon joli ciel orangé. Oh, mais on dirait les tables de tout à l'heure. Serait-ce une variante? Il y aurait un recyclage de pistes? Ça me fait l'effet là. Ah, c'est beau. Hop là, ouais. On descend de virage technique. Oh! Ah! Non! Oh la vache! Oh l'arbre! Oh du... À l'intérieur du virage encore, de là, c'était... J'ai eu du bol de l'avoir juste caressé, de pas m'y être encastré, parce que j'étais parti pour... Ah, oh, ça pardonne rien. Ça pardonne rien. Tiens, qu'est-ce qui s'est encastré là? Ah, d'accord. Ok. N'importe quoi. Du coup, je reprends la deuxième place. Ah, bah ça va faire un petit peu de suspense pour cette dernière course. C'est bien. Bah, on n'a fait que le premier quart de la course. La route est encore longue. Oups là, alors attention. C'est du technique. Moi, je vous dis, monter en lacet, ça rigole pas. Serais-je en train de rattraper celui qui est en tête de la course? Je le vois par moment. Oui, heureusement que la route au loin est un peu plus claire parce que je me serais posé la question de ce que je dois rouler en fait. On voit que mon véhicule est cabossé. On voit que je me suis déjà pris des coups. Merde! Ah, j'ai fait un jeu de contrebraquage, pas bon. J'ai eu la chance de pouvoir redresser, mais j'étais parti pour partir en anguille. Là. Le truc pas cool du tout. Oh là là! Il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir des petits passages de route en Italie. Avec les cyprès sur le côté. Ça fait route de campagne italienne. Et toujours dans les jeux de rallye, je pense de tête, sur PlayStation 2, j'ai la chance d'avoir le tout premier Sébastien Loeb Rallye. J'ai souvenir qu'il est coté parce qu'il est vachement bien réalisé. Graphiquement, il en jette, il paraît. Donc on se le fera à l'occasion. Je sais pas s'il est exigeant, si je vais réussir à performer à faire des jolis résultats sur le. Mais on verra. L'essentiel, c'est de
qu'on s'offre une promenade virtuelle et que les beaux paysages défilent sous nos yeux. Oula, il a chassé du popotin à l'entrée du virage. Je sais pas ce qu'il m'a fait comme freinage, oui, mais il a perdu du temps. Je suis en train tout doucement de le rattraper. À ma grande surprise d'ailleurs. Ouh, pas top les freins de la tata. J'ai anticipé le freinage et j'ai quand même tapé la rambarde. L'effet planche à savon est imparable. Oui, merci pour le GG. Je viens de le voir d'un petit coup d'œil furtif. Oh, mais c'est que j'aurais pu y remporter l'étape, dis donc. Ouais, bah là, je me remets un GG. GG, c'est de la qualité. Voilà, tout est dit. Ah, bah là, pour décompresser, je vais laisser le ralenti de cette belle course en arrière-plan. Avant de, voilà, tout doucement basculer en papotage de fin. Et de vous présenter fièrement ce que j'ai programmé sur l'habillage. Regardez la vidéo. Ouais. Alors attends, je vais reposer la manette. Attendez. Voilà, j'ai déjà les mains un peu moites à force de clac 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 clac. Ça... Tiens, il est où mon... Ah mince. Ouais, si, je vais faire tomber un truc. Je sais que j'ai à portée de main, j'ai mon gel hydroalcoolique. Pour le coup, j'aurais pas dit non. Mais je le ferai hors antenne avant de passer en cuisine. Aller me faire cuire un œuf. Bah nickel, échelle de progression. Tu voulais nous montrer une autre scène, je crois. Oui, je vais vous la montrer. En fait, alors attendez voir. Que je fasse pas de bêtises. Parce qu'il faudrait pas que je me saborde en direct. J'en serais capable. Minute papillon. Je vais momentanément désactiver le signal de la PlayStation et vous allez voir l'arrière-plan. Si je trouve dans toute ma liste de plans, j'en ai une trentaine. Pour une scène, j'ai une trentaine d'éléments qui composent l'écran. Donc j'ai bien nommé normalement en bon français tous mes éléments. Voilà, capture vidéo externe, c'est ça. Voilà. Là, vous voyez mon son avec en arrière-plan le voice meter qui me permet de paramétrer les sons et voir que tout est correct. Bientôt, je mettrai à la place, en fait, je mets à contribution le fond. Et quand j'aurai des transitions comme ça, un peu à vide, on va dire, je mettrai graphiquement les noms des commandes sonores que vous puissiez vous rappeler à vue ce qu'il faut saisir pour vous amuser. Et puis, je trouve que ce sera un moyen intelligent d'utiliser la partie graphique de l'écran. Non, ce dont je suis fier, en fait, c'est en bas. C'est ma petite télé, mon petit cœur qui bouge. En fait, c'est les émoticônes que je me suis dessiné pour plus tard. Vous les aurez en animé dans Twitch. Quand j'aurai l'option là que je serai affilié, je sais pas quoi, pour ceux qui s'abonneront ou si je peux en faire bénéficier ceux qui s'abonneront pas, juste le fait de suivre la chaîne, je vous donnerai. Je me suis fièrement dessiné à la main. Je me suis fait dans le logiciel GIMP que je vous recommande, qui est Photoshop gratuit comme j'aime bien l'appeler. Je me suis fait mon petit cœur que je me suis, j'ai fait l'animation là. Je suis tout fier de mon œuvre. Pareil le petit téléviseur en bas. Le téléviseur qui apparaît en gros quand quelqu'un fera un relais de chaîne. Il y aura, je suis en train de programmer l'alerte Streamlabs, où il y aura en gros ma tronche dans un téléviseur, et on verra qu'il y a un relais de chaîne. Je me suis amusé comme un gamin à faire ça, tout en artisanal. Ouais, Gim, bien joué. J'adore Gim. Et encore Gim qui est un peu traître, parce que je sais pas si c'est le cas de Photoshop. Photoshop, je l'ai abandonné très vite, hein. Dès que Gimp est arrivé, je me suis rué dessus parce qu'il était gratos. Bref. Et GIMP est assez traite parce que l'interface peut pas mal changer d'une version à l'autre. Et je l'ai remarqué que j'ai eu des problèmes de compatibilité de mes fichiers enregistrés, de ce que j'ai bossé, d'un ordi à l'autre. Parce que j'avais une distribution de Linux différente et la version de GIMP n'était pas la même. Donc j'ai remarqué que ça marchait dans un sens. J'ai une autre version qui me dit non, on peut pas importer, c'est une version inconnue. Et je me suis fait couillonner, hein, pardon du terme, mais bon bref. J'ai fait ma cuisine entre temps pour être à l'aise et continuer à bosser sur les graphismes de ma chaîne et les tableaux mystères que je vous prépare pour le 1er janvier, le jeu de devinette, je vous en reparlerai le moment venu. J'ai besoin de GIMP pour faire les photomontages.
Ah, Krita, je ne connais pas. Merci de donner les références. J'adore quand le public donne des références. Dans le même genre de guild gratuit, il y a aussi Krita. Bah, c'est bien, c'est immortalisé dans le chat. Moi, je vais avoir ma sauvegarde de mon chat en petit fichier texte. Du coup, je garde précieusement ta référence et je me ferai une joie de d'y jeter un œil prochainement. Et peut-être que spontanément, j'en reparlerai à l'antenne. Je te donnerai mon point de vue sur le sujet. Et je vais sûrement me gratifier pour ça d'un petit message privé entre nous hein, sur Discord où je te dirai tiens, j'ai testé. Je te donnerai rapidement mon propos, l'idée de ce que j'en pense. Merci d'avoir décliné cette référence logicielle. Ah ouais, je défends la communauté du libre et du gratuit. C'est une communauté, formidable. Voilà, c'est ma grande fierté, c'est les deux indicateurs en bas que j'essaie de peaufiner. Là, on voit que c'est fait un peu à l'arrache. Je vais essayer de faire quelque chose de mieux calibré, plus propre. Mais c'est un début. Et la petite nouveauté, c'est quand il y a un événement, vous savez, tout ce qui est relais de chaîne, abonnement, don, etc., ou le fait de suivre la chaîne, je vais essayer de vous déclencher l'alerte. Je l'ai programmé dans le cadre que vous voyez en gris en bas. Voilà, liste des événements. Je vais aller dans propriétés et je vais déclencher un test. Voilà, je déclenche plein de trucs. Tac, normalement, vous devez le voir, je pense. Oula. Ça doit s'afficher. Voilà, oui, ça s'affiche. Voilà, ça fera comme ça. Voilà, les deux derniers qui m'ont suivi, Gimbal Production et Aerostar, tous les deux du Chauve-Gang, d'ailleurs. Je dois le notifier. Wally Walou. Voilà, vous êtes déjà 24 à suivre mon canal principal et je vous en remercie. Et là, vous êtes deux spectateurs en temps réel. Le compteur est dynamique. Wally, Walou, c'est ça dont je suis bien fier. Touk. Voilà, on va repasser avec ma tronche en plein écran. Hop, je me refais une projection plein écran. Non, pas ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'il me fait? Ah non, que je suis bête. Au lieu de demander le signal final, j'ai demandé à un élément à apparaître. Tac, tac, tac. Créer un projecteur de sortie sur l'écran. Oui, bien bossé, oui, merci. Et je peaufine, j'ai encore en projet des trucs. D'ailleurs, avant de rendre l'antenne et de faire un relais de chaîne, il faut que je reteste ma commande clip, je vais voir si elle marche. J'arrive pas à la faire fonctionner, cette cochonnerie de commande clip. Voilà, là sur le plan là, on voit mon nombre de fidèles juste en bas, sans habillage particulier, en brut, j'ai mis en digital le nombre de fidèles, 24. Et je pense que je vais à terme, je vais faire pareil, une petite barre jolie pour ce plan-là, où vous retrouverez les valeurs, les données en temps réel. Mais je peaufinerai ça dans les jours à venir, tranquillement, pour être prêt au 1er janvier. Wally, Walou, alors, moi, je vais regarder brièvement qui est dans ma liste de chaînes, qui c'est qui est à l'antenne. Que je vous fasse poliment un joli relais de chaîne. Je vais pas vous abonner comme ça. Vous puissiez avoir éventuellement du contenu si vous n'avez pas d'idée qui regarder. Sinon, voilà, je vous remercie déjà d'avoir été là. Merci à Aerostar d'avoir hébergé mon signal vidéo sur ta chaîne. Ah, Opéra a craché. Bon, j'ai pas le droit d'ouvrir mon navigateur. Bon. C'est parce que j'ai trop de trucs en fait en mémoire en même temps. Mon ordi se fait vieux. Que dire. Donc merci à Aerostar d'avoir hébergé le signal de ma chaîne sur la tienne, ça fait plaisir. Merci à FunFan, mon modérateur qui est passé tout à l'heure en début de direct, qui est passé me faire un petit coucou. Merci à vous tous d'être là, Zex de Citron, c'était très agréable d'avoir conversé avec toi. J'ai aimé la promenade virtuelle aussi, je suis content des courses que j'ai faites. Ça change les idées, ça vide la tête, ça fait du bien. Et je voudrais pas mon plaisir, d'ailleurs, tout bêtement, à revoir ce ralenti. D'ailleurs, qu'il faudra que je vous prépare à balancer sur ma chaîne en YouTube. J'ai oublié de dire YouTube. La cacophonie dimanche dernier, où sur les 6-7 heures de direct, j'ai eu 10 coupures cumulées le matin et après-midi. Pour vous dire que j'ai fini mon montage vidéo à rassembler les morceaux. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour le matin. Et il y a l'autre pour l'après-midi qui a duré 5 heures
qui va être publié, je l'ai programmé à samedi qui arrive, puisque je suis pas là ce week-end, je suis duré le plaisir, voilà, ça, c'est déjà prêt, c'est bien, c'est, j'ai réussi à faire un montage propre. Ça te concerne en plus Exocitron, j'ai fini, ce dimanche-là, j'ai fini Duke Nukem 3D, le World Tour qui est excellent, j'ai fait un niveau dans Paris qui était extra, on a bien rigolé avec FunFan, donc la diffusion là va être accessible, bah, vous l'avez déjà sur Twitch, elle est en vrac dans les 15 jours qui suivent, là vous pouvez la retrouver sur Twitch, et elle sera immortalisée, elle arrive sur YouTube pour ce samedi, voilà. Pour ce qui est de ce passage-là de Duke Nukem qui a été excellent, je me suis fendu la poire, on a bien rigolé tous ensemble. Bon, mon navigateur qui est en PLS et du coup qui me bouffe mon écran secondaire, je vois plus ce que je peux faire. Alors, bonne question, dans ces moments-là, comment je peux voir lequel de mes copains est en direct? Ah, il me faudrait ma tablette, mais je suis en train de la recharger. J'ai pas l'air idiot. Oui, tiens, jetez un œil avec grand plaisir, voilà, n'hésitez pas, merci, merci. Bah, je suis idiot, je sais pas à qui je peux faire de relais de chaîne, mince. Si mon navigateur plante et refuse de se lancer, ça fait... Ça le fait pas, quoi.